Hunter. Bonne chance à toi. T'en fais pas. Alors, ce centième but, il vient ou pas, hein, Jim? Souviens ta proie à qui c'est d'attendre. À mon avis, tu vas l'attendre encore longtemps. Swung right in. Oh, he's there! Jim Hunter equalizes with his 100th career goal. And what a beauty it was, left foot volley. Caught sweet as a nut. That's one he won't forget in a hurry. And here we go again, with the score now 1-1. Coventry City just can't keep the ball. As ways to... Surely it has to be! Oh, it's in! And no more obvious scorer than Hunter. It's his day. Two goals now by Hunter, and a career total of 101. Well, let's just see that again. It was a goal from close range, really. And he's won the ball back with the tackle. Well, there's the final whistle. Disappointing result for Coventry, especially considering how well they played over the first 50 or 60 minutes. But this game will be remembered for Jim Hunter's 100th career goal. What a way to mark the milestone with a cracker of a volley. Thanks for joining us here. We hope to see you again next time. Entertaining match this has been, and a little bit of football history as well. Who will forget Jim Hunter's incredible 100th career goal? J'arrive pas à croire qu'il passait déjà du foot à la télé à l'âge de Pierre. Eh, tu veux que je te dise? Grand-père a été un bon joueur. On n'a même pas droit à une petite colère? T'es bien trop sérieux, comme d'habitude. Bien sûr, à mon époque, on ne faisait pas tout le cirque que vous faites maintenant. On jouait pour seulement 50 livres par semaine, si on gagnait. Arrête, c'est vrai? Ah, pour nous, tout ça, ce n'était que jouer à un jeu. Hé, hey, regarde ça. Ça ronronnait comme un chaton, hein? C'est pas si facile de cadrer un tir comme ça aussi bien. On devrait peut-être y aller. Ça roule mal. Laisse-moi t'aider avec les valises. Oh, non, non, Jim. Ne vous en faites pas, restez ici. Je m'occupe des valises. Tu veux le prendre? Je te l'ai donné. Emprunte-le alors, il te portera chance aussi. Mais rapporte-le-moi quand t'as fini avec. D'accord. Allez, on a un avion à prendre. Si jamais je le rate, Butler va me faire la peau. J'arrive toujours pas à croire qu'il m'ait laissé du temps libre. Non, moi non plus, j'en reviens je pas. Je sais, complètement fou, pas vrai? La dernière fois que je suis allée à l'aéroport, on partait au Japon. De quoi? De quoi? Bah quoi, je suis anglais, c'est ma façon de parler, quoi. Vous aussi, vous avez des drôles d'expressions. Kill me, but I can't resist. I'm falling, falling, falling.
Après tous ces entraînements, vous devriez avoir suffisamment confiance en vous pour donner tout votre potentiel. Tout autant que vous êtes, les filles, c'est vous qu'on a envie d'emmener jusqu'en France. Mais pour y arriver, vous allez devoir tout donner. Chaque jour. T'as des papillons dans le ventre, hein? Je déteste ça. J'avais pas ressenti ça depuis mes débuts avec le programme de développement. Je suis même pas sûre de pouvoir taper dans un ballon, là. Écoute, t'inquiète. Tout le monde ici est nerveux. Quoi, même toi? Chut. On s'échauffe un peu? Ouais, d'accord. T'as fait un sacré match contre l'Allemagne. Je sais qu'on n'a pas gagné, mais t'as tout changé quand t'es rentrée. Ouais, mais c'était pas un match amical, si? Et c'est quand même moi la plus jeune ici. Tu sous-entends que je suis vieille? Non. T'es prête, Hunter? Plus prête que jamais, coach. Bien, alors montre-moi. Les filles, en rang derrière les cônes. On travaille les passes. Hey, oh, pardon. Hey! Tu sais ce qui est pire que d'arriver en retard à l'entraînement? Glisser sur un sol mouillé et devoir mettre un terme à sa saison. Michael? Pourquoi t'es en retard, d'ailleurs? Je reviens d'une réunion avec Roger sur une possibilité d'investissement et... Tu sais, à propos de spéculation, d'accumulation et plein d'autres trucs en sion. Ouais. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Eh ben moi aussi j'avais des réunions, à propos de mon client numéro 1. Ton unique client, tu veux dire? Ouais. Mais t'as gardé le meilleur jusqu'à la fin en fait, c'est ça que t'as fait. Bon alors, c'est à quel sujet? Parce que je dois vraiment aller m'entraîner. Butler va me tuer si je suis en retard. Je sais que la saison passée a été difficile, mais t'as vu ce que t'as accompli? La finale de la League Cup, t'es passé tout près. Ouais, je sais, ce petit... Gaz me le répète assez souvent, tu vois. Les réseaux sociaux, c'est génial. En fait... Le club ne sait pas quoi faire avec toi. Je te demande pardon? Ça veut dire quoi, ça? Non. Je suis le grand Williams. C'est moi le grand Manitou, ici. Oui, d'accord, je connais ta valeur, tu connais ta valeur. Mais tu dois les persuader de ton talent. Et ça commence dès la pré-saison, j'ai tort? Allez, fonce et va montrer à ce club que t'es indispensable. Et n'oublie pas, t'es mon client numéro un. Danny? Oui, quoi? Ton entraînement? Oh, le tueur va m'assassiner! Il me faut vraiment un nouveau boulot. T'inquiète pas, on verra pour les contrats. On fera un virement. Direct sur ton compte. Fais-moi confiance. Tes gains vont doubler en un mois. Deux max. Ça va, mec? Alors, on est d'accord? Super! Super, ouais. Oui, je viendrai avec tous les papiers à signer. Génial, ok. Bye. Bye. Toi, mon pote, t'es le nouveau visage du restaurant Macmillan's Fish and Chips. Et en échange, du Fish and Chips à volonté dans 28 enseignes à travers l'Angleterre. Wow. Appelle-moi le parrain des affaires. Tu veux dire Macmillan's... Ouais. Macmillan's Fish and Chips? Macmillan's, ouais. Là où on mangeait presque tous les jours? Ouais. Macmillan's? Exactement. C'est trop génial! Eh oui, il te donne le choix entre une publicité à la radio et une séance photo pour des affiches sur... Enfin, tu vois, genre... Ouais. Tu préfères quoi? Quand on a ce qu'il faut, on a l'affiche, c'est ce que je dis toujours. Fais flasher les appareils photo! Ah, génial! Eh, hey, Adidas, ce seront les prochains, je te jure. Fais-toi une réputation. Quelques trophées, des hommes du match, et le Williams deviendra une marque à succès. Oh, peut-être que c'est Adidas? Ouais, peut-être, vas-y. Danny boy, the pipes are calling. Ah tiens, c'est Roger le rocker, l'homme d'affaires extraordinaire. C'est Ringo, mec. Ah oui, pardon, autant pour moi. Personne ne t'a jamais appelé Ringo. Tu peux pas choisir ton surnom, ça marche pas comme ça. Arrête, c'est comme ça que tout le monde m'appelait à l'école. Quand? Bah, quand je jouais de la batterie. Ringo, tu t'en souviens quand même? T'as joué du triangle une fois dans l'orchestre à l'école et en plus tu jouais faux. Non, j'ai joué deux fois. Comment vont les affaires? Ah, ça a jamais été aussi bien, Michael. Ce vieux Roger non, vient c'est de trouver Ringo.
mon tout nouveau sponsor, Macmillan's Fish and Chips. On allait y manger tout le temps quand on était gosse, hein Roger? Ouais, c'est vrai, Ringo. Tiens, en parlant d'affaires, je viens de caler une réunion pour la prolongation de ton contrat le jour du dernier match de préparation. Okay. Alors fais-toi remarquer en Extrême-Orient et on sera vraiment lancé. Et pas de pression, hein mec? Ton avenir en dépend, Danny. Ouais. C'est un peu chic, non? Ces super agents sont tous les mêmes, prêts à tout pour avoir ce qu'ils veulent. Laisse-lui une petite chance, ok? S'il te plaît. Alex, merci d'avoir accepté l'invitation. Madame Villa, Béa. voici mon agent, Michael. Monsieur Taylor, l'homme qui se cache derrière Rising Stars. Je suis votre travail depuis très longtemps. Un éducateur talentueux, c'est un plaisir de vous rencontrer enfin. Leur carpaccio de Saint-Jacques est l'un des meilleurs de la ville. Je vous le recommande. Est-ce qu'on pourrait aller droit au but? Bien sûr. Alex, je suis sûre que Monsieur Taylor te l'a peut-être déjà dit. Il arrive un moment dans la carrière d'un joueur où il transcende soudainement le sport pour lequel il excelle. Il devient alors une marque à part entière. Rappelle-toi le CR7 de Cristiano Ronaldo. Mais tout cela n'est possible que si tu es bien entouré, d'abord sur le terrain, mais également dehors. Alex a déjà une équipe derrière lui. Un homme seul ne constitue pas une équipe, Monsieur Taylor. Un joueur comme Alex a besoin d'une équipe œuvrant dans l'ombre pour faire exploser sa carrière. Nous n'accordons pas autant d'attention à chacun de nos clients, seulement à ceux qui sont à part. Alex, avec mon équipe Villanova et associés, nous pouvons t'offrir la chance de devenir plus qu'un simple joueur de football. Vous voulez dire un robot avec des dollars plein les yeux? Une icône, Monsieur Taylor. S'il te plaît, tâche de prendre le temps d'y réfléchir. Je sais que c'est une décision importante, Alex. Mais excusez-moi, je dois prendre cet appel. Max? Oui, je suis avec lui en ce moment. Comment se passe la séance avec Sergio? Excellent. J'ai l'impression qu'elle sait parfaitement de quoi elle parle. Michael, ma propre marque. Quoi? Tu sais, j'ai assez d'expérience pour flairer les embrouilles quand j'en vois une. Mais de quoi est-ce que tu parles? Béatrix Villanova ne partage ses clients avec personne. On m'a offert un carpaccio de Saint-Jacques et une pilule empoisonnée. Oh. Écoute, tu te souviens du transfert de gaz? Eh bien, ce Marcus Demara a été appelé pour finaliser l'affaire. Un super agent dans ce genre-là. Ouais, eh bien, je ne veux plus jamais marcher dans ce genre de combine. D'accord, Alex? C'est elle ou moi. Tu sais, j'apprécie tout ce que t'as fait pour moi, Michael. Mais dernièrement, j'ai commencé à me dire que le moment était venu de passer à la vitesse supérieure. Tu comprends? À quoi? Tu penses pas que je suis l'homme de la situation? Béa pourrait nous apporter beaucoup. Vous pourriez bosser ensemble. Tu penses sincèrement qu'elle a l'intention de travailler avec moi? Dès qu'elle aura mis son nez dans nos affaires, elle va essayer de me virer, tu peux me croire? Non, je peux pas. Je peux vraiment pas te suivre dans cette démarche. Tu sais ce qu'il est en train de t'offrir? Ça va exiger de toi d'énormes sacrifices, j'en suis sûr. Alors tiens-toi prêt. Prendre un nouveau départ, ce n'est jamais facile, Alex. Mais parfois, il faut savoir tourner la page et se saisir de l'avenir. Bonjour madame. J'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que je peux vous servir? Oui, l'examen, c'est super. Alors, est-ce que je suis un footballeur? Ouais. Est-ce que je suis un des meilleurs joueurs au monde? Je dirais ça. Ok, alors, je suis le roi des passements de jambes, Cristiano Ronaldo.
Dans ses rêves, peut-être. Facile, ouais. Alexander. Ouais, c'est ça. Tu peux toujours rêver. Tu diras plus ça quand on t'aura battu à la Tokyo International Cup. Franchement, tu sais que ce trophée a déjà notre nom dessus. On verra, mais ouais. On verra. On dirait que le plan fonctionne, hein, Alex. Papa a dit que tu faisais le mur à la maison pour connaître l'équipe qualifiée. Eh bien, le plan fonctionnait, papa, jusqu'à ce que t'en parles. Alors, papa, tu vas venir voir les demi-finales ? Ton grand frère est aussi pénible. Un recruteur ne s'arrête jamais. Disons que c'est quelqu'un, ça c'est. C'est pour ça que vous vous parlez plus. Oui, on peut dire ça. Bon, on ferait mieux d'y aller, ma puce. Il faut essayer de dormir. Mon horloge interne est déréglée. Vous devriez vous reposer aussi. Vous avez de gros matchs en perspective. On continue ou pas ? C'est parti. Ok, d'accord. Allez, vas-y, mec. Bon, je suis une célébrité ? Oui. Ok. Un sportif ? La finale de ce tournoi de préparation, c'est bien aujourd'hui et on va vous la commenter avec Pierre Ménès ici au Japon, le Paris Saint-Germain qui affrontera Manchester United. Ouais, ne vous fiez pas aux apparences, il y a de l'enjeu dans ce match. En plus des retrouvailles entre Alex Hunter et son ancien club, il y a aussi le duel entre Hunter et contre Williams. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de cela depuis quelques jours, ça va être intéressant à suivre Alex Hunter qu'on imagine particulièrement motivé aujourd'hui. Allez, le match qui débute à l'instant. L'arbitre fait signe d'y aller. Messieurs, à vous de jouer. Allez, le 11 de départ du Paris Saint-Germain. Et on découvre que l'entraîneur a retenu un 4-3-3 pour cette rencontre. Avec un attaquant axial et deux joueurs sur les. Ballon pour Hunter. Oh, il pouvait mettre son équipe devant très tôt dans ce match. Et il a raté l'occasion. Verratti. Kylian Mbappé, le centre dégagé du point, il choisit la frappe. On a vu que le ballon avait été touché par le défenseur avant de sortir, c'est donc un corner. Un corner adressé au niveau du point de pénalty. Ouais, bien donné ce ballon, mais le danger est écarté. Alex Hunter qui marque, comme une évidence. Et oui, c'est un tournoi de préparation, mais on était sûr qu'il avait envie de marquer contre son ancien club. Voilà, c'est terminé. Le Paris Saint-Germain qui remporte ce tournoi de préparation. Ah, ils semblent être dans de bonnes dispositions cette saison, les Parisiens. Oui, ça fait déjà un petit trophée pour eux. Leur adversaire du jour a été moins heureux, à l'image de Danny Williams qui a perdu son match dans le match contre son pote Alex Hunter aujourd'hui. Ah oui, Alex Hunter qui s'impose face à son ancien club et qui doit apprécier. Dans quelques minutes, les joueurs vont pouvoir brandir la coupe. Ils se sont installés dans le rond central. Il y a quelqu'un qui fait un barbecue d'ailleurs, on voit les flammes. Ah oui, je vais aller chercher les saucisses. Bon, ça fait partie de la chorégraphie. Ouais, c'est vrai. Il frétille, hein, il frétille à l'idée de brandir ce trophée, ce sera dans quelques instants. Attention. Ça y est.
magnifique. Sous les applaudissements, les cris de joie d'un public qui aura vibré. Ah oui, et puis les joueurs qui ont l'air vraiment tous fous de joie. On met une belle fête ce soir. Hein. On va sortir. Nous. T'as des invités ? Non, on va rentrer en force comme d'hab. Allez, il va y avoir la photo souvenir, Pierre. Voilà. Faut être bien placé sur la photo, là, si possible. Voilà, alors ceux qui n'ont pas de goût, tu la retrouveras dans le salon. Ceux qui ont de la dérision, tu la retrouveras dans les toilettes. Hé hey. T'as jamais pris la peine de t'excuser, Alex. Écoute, à propos de la dernière saison, je crois que les choses m'ont un peu échappé, tu vois. Si je pouvais revenir en arrière... Bon, ça vaut ce que ça vaut. Mais je suis désolé. J'ai peut-être été un peu dur avec toi, Alex. Oh, on est tous à nouveau copains. Ouais. Sushi ? Attendez, ils font des sushis au Japon ? Et pourquoi je perds mon temps avec toi ? I can't help but notice you coming down the street. Smiling so dearly at everyone you meet. And I can't help but notice you throwing me a glance, a wink telling me there's a chance. I've just got eyes for you. I've just got eyes for you. Enchant me, darling, like you do. 'Cause I've just got eyes for you. I've just got eyes for you. Your sister says she loves me, wants to share my name. She spoke to Reverend Bixby. Ça m'a fait plaisir de te retrouver sur le terrain, mon pote. Ah, tu dis ça parce que c'est toi qui as gagné. Le décalage horaire, toi aussi ? Ouais, et l'appel que je viens de recevoir aussi. Et donc ? Il trouve que j'ai bien joué pour une gamine de 16 ans et... Ils me veulent pour les éliminatoires de la Coupe ! Oh, c'est vrai, tiens, en vrai ! Oh, je suis fier de toi. Ouais, merci, frangin. Je réponds à cet appel. Et après, on fête ça, ok ? D'accord. On est au milieu de la nuit, ici. Je savais que tu dormirais pas. C'est comment, Tokyo ? Ouais, c'est vrai. Tokyo, c'est... différent. Mais en bien. En fait, c'est génial. Ma petite sœur Kim, elle vient d'être appelée pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Elle a 16 ans, c'est ça ? Waouh, je savais qu'elle avait du potentiel, mais là, c'est un sacré accomplissement. Félicite-la pour moi. D'accord. Tu dois être comme une folle, là. Oh, et en plus, t'as plus du tout à t'inquiéter de tes études, maintenant. Tu rigoles ? Je dois choisir une université, avoir mon diplôme, quitter le nid, tout ça. Mais là, en ce moment, c'est comme si ça, ça me passait au-dessus. Ouais, ouais, le succès, ça doit être hyper stressant. Ouais. T'es vraiment comme ton frère. Arrête, allez, décale-toi. Alors, j'ai appris pour Terry. Ça doit être cool d'avoir un frangin qui a gagné la Ligue des Champions. Ouais. Ouais, on peut dire ça. T'es pas content pour lui ? On s'est à peine parlé depuis qu'il est parti en Italie. Et il manque pas. Quand on était gamins, notre père nous faisait nous entraîner l'un contre l'autre. Il nous balançait des centres pendant des heures. J'avais 10 ans et Terry en avait 18. C'était une montagne de muscles. Ses entraînements étaient censés m'endurcir. Mais à chaque fois, je me faisais réduire en miettes. Je finissais épuisé. Parfois, j'arrivais à peine à rentrer. Regarde-toi maintenant. T'es une star de la Première Ligue. Ouais. Alex, je suis une femme de parole. Et j'en suis fière.
Quand je fais une promesse, je la tiens. Dis-moi, où en est ton espagnol ? Pas super. J'en ai fait un an à l'école, mais ça n'a jamais été mon point fort. Pourquoi ? On peut remédier à ça. S'il y a une chose que les supporters des Meringues apprécient plus que les trophées, c'est un joueur étranger qui sait parler leur langue. Les Meringues ? Attendez, j'ai bien entendu ? Je te l'avais dit, je suis une femme de parole. Un contrat de 5 ans avec le Real Madrid est sur la table. Ton club a déjà accepté l'offre de transfert. Il ne nous manque plus que ta signature. Béa, je sais pas quoi vous dire. Je te conseillerais de garder le silence jusqu'à l'annonce officielle. On se voit dans 48 heures, à ton retour en Europe. On pourra finaliser tout ça. T'as l'air content? Bah quoi? Je suis juste ravie pour ma petite sœur. Allons fêter ça. Ouais, on est à Tokyo, il y a plein d'endroits où faire la fête. Vous savez quoi? Allez-y tous les deux. Moi, je suis vraiment crevé. Quoi? Amusez-vous bien. Ça te ressemble pas. Est-ce que ça va? Ouais, ben, ça va toujours, tu sais bien. Comme tu voudras. Bon, à plus. À plus. Salut. Hey, c'est à cause de Terry ? Quoi ? Non, pas du tout. Je suis fatigué, c'est tout. À cause du décalage horaire. Je suis pas dans mon assiette, alors je vais aller me coucher. Ok. Bonne nuit. Ouais, carrément. On se voit demain. Bienvenue. Nous sommes ravis d'annoncer le transfert d'Alex Hunter pour une durée de 5 ans. Nous sommes convaincus qu'il va développer ses talents avec nous dans ce club qui place les jeunes espoirs au cœur de ses intérêts. Nous avons hâte de connaître une nouvelle saison fructueuse. Et dans les deux compétitions, il faudra bien débuter. C'est vraiment un honneur d'être ici. Depuis que je suis tout gamin, j'ai toujours rêvé de vivre ce moment. Je tiens à remercier le manager. Et je voudrais dire à tous les supporters que je vais tout mettre en œuvre pour aider l'équipe à écrire un nouveau chapitre de l'incroyable histoire de ce club prestigieux. À la Madrid. Alex, por favor, s'il vous plaît. Mr. Hunter. Alex, vous avez déjà démontré votre potentiel dans plusieurs grands clubs. Mais comment allez-vous gérer la pression au Real Madrid, qui est quand même le club le plus célèbre au monde, et où tous les supporters attendent une victoire en Ligue des Champions chaque année? Comment je gère la pression? En aidant l'équipe à remporter sa 14e Ligue des Champions. La pression, ça fait partie de ce club. C'est le Real Madrid. On veut rentrer dans l'histoire. Est-ce que vous pensez pouvoir tirer votre épingle du jeu dans ce club, compte tenu du très haut niveau de vos concurrents? J'espère vraiment trouver mes marques ici. C'est mon objectif. Je vais donner le meilleur de moi-même pour être certain de gagner le tout premier grand trophée de ma carrière. Ici, s'il vous plaît. Un sourire, s'il vous plaît. Merci. Gracias. Tu as le meilleur. À toi de payer les droits de le rentrer. Por aquí, una foto. Alex, una foto.
est arrivé. Ton destin t'attend. On va éviter de s'emballer. Alex, parle-moi. Il y a 2 ans, j'étais qu'un gosse sans contrat. Maintenant, on me dit que je suis le nouveau Ronaldo. C'est surréaliste, pour moi. Alex, t'es la star de demain. Mais tout se passe tellement vite. Rappelle-toi comment tu étais à ta conférence de presse. Tu étais professionnel tellement mature. Tu as déjà impressionné l'entraîneur alors que tu n'as même pas encore touché le ballon. Tout ce que tu as à faire, c'est y aller et leur montrer de quoi tu es capable. En Liga, on doit gagner encore une fois. Et en Ligue des Champions, on doit prouver à nouveau qu'on est le plus grand club jamais entré dans cette compétition. Et dans les 2 compétitions, il faudra bien débuter. Alors au boulot. Anton, bienvenue dans l'équipe. Merci beaucoup. Moi, c'est Joe. Ravi de te connaître. Alex, je te présente tes nouveaux entraîneurs. C'est que, pour être honnête, j'ai encore du mal à croire que je sois là. C'est pour ça qu'on est là. Pour t'aider à apprendre la méthode Real Madrid. On va commencer par un 11 contre 11. Anton et Joe, 1 de chaque côté. Tu changeras d'équipe à la pause. Ça me va. C'est parti. Bueno, c'est décidé. L'attaque, c'est la meilleure façon de défendre. C'est la base du foot. Alors je vais tomber. Marquer, c'est qu'une partie de ce qui fait un grand attaquant. Avoir la capacité de se créer des espaces pour avancer, avoir de l'endurance pour courir, même à la toute fin du match, c'est ce qu'il y a de vraiment important. Eh bien voilà, il aura fallu attendre la dernière demi-heure. Mais Alex Hunter va donc entrer en jeu avec sur les épaules le maillot du Real Madrid. C'est un petit événement. Ah, il doit avoir le cœur qui bat à 300. Je ne sais pas s'il pense encore au feuilleton à rebondissement de son transfert avorté de l'an dernier. Mais quoi qu'il arrive, je pense qu'il savoure cet instant.
Tony Cross. Tony Cross. Ouais, bel exploit individuel, attention à lui. Et le but d'Alex Hunter. Alex Hunter qui marque. Et ouais, voilà, il n'y a qu'à demander. Premier match à Bernabeu, premier but. On vient de vivre quelques minutes de folie. Le but sur coup, la défense prend l'eau. Il y a ce but, toujours, mais cette fois-ci avec une autre caméra. La fin du match, les 3 points de la victoire pour le Real Madrid. Et donc pour Alex Hunter, qu'on suivait tout particulièrement aujourd'hui et qui, on peut dire, s'est illustré hein, dans ce match. Ouais, on a vu un Hunter pas du tout impressionné par l'événement. Évidemment, il n'a pas eu le temps de se créer énormément d'occasions, mais ça a suffi pour qu'il marque. Il ne pouvait rêver d'un meilleur départ, en fait. Je suis avec Alex Hunter, qui vient de jouer ses premières minutes sous le maillot du Real Madrid. Alex, qu'avez-vous ressenti ? Aussi loin que je me souvienne, porter le maillot du Real Madrid a toujours été mon plus grand rêve, depuis que je suis gosse. C'est exactement ce que j'ai ressenti. J'avais l'impression de vivre un rêve. J'étais carrément sur un nuage. Votre bonheur saute aux yeux, Alex. Ça fait vraiment plaisir à voir. Merci pour votre temps. Ah, mais tout le plaisir était pour moi. À bientôt. Danny Williams. Quelques questions rapides, s'il vous plaît. Danny, tout d'abord, félicitations pour votre contrat flambant neuf. Merci. Ça fait plaisir de voir que le William s'est apprécié. Ouais. Bien. Néanmoins, pensez-vous que vous jouerez un rôle important dans l'équipe cette saison, surtout en Ligue des Champions ? Ça va, arrêtez de me faire marcher. Je vais devenir le joueur incontournable. Je serai même le jockey de mon club. Vous voulez dire le joker ? Ouais, ça aussi, ouais. Bon, eh bien, bonne chance, Danny. Écoutez, vous serez tous surpris. Je vais prouver à tout le monde qu'ils ont tort. Je soulèverai le trophée de la Ligue des Champions à la fin de la saison et vous regretterez tous d'avoir un jour douté du Williams. Ça, c'est bien dit, Danny. Merci. Alors que Danny Williams doit faire son entrée, est-ce que c'est lui qui va réussir à faire la différence ? Ouais, parce que regarde Hervé, les défenseurs ont l'air quand même un petit peu fatigués, à lui d'en profiter. Alexis Sanchez. Allez, Dani. Oh, le but qui donne l'avantage à cette équipe dans cette rencontre. Et on va guetter la réaction de l'autre équipe parce qu'il reste un peu de temps quand même. Un tir quasiment à bout portant. Impossible pour le gardien. Enfin, c'est pas normal que le buteur se retrouve pas dans cette position. Le réalisateur qui remontre ce but. Ok, on s'y tire bien, les gars. Mais sans trop forcer. Williams, faut que je te parle. Oui, chef. Alors comme ça, t'as passé l'été à faire la navette entre le buffet et la plage, pas vrai ? Ouais, c'est très drôle. T'en fais pas pour ça. En doublant tes séances, ça devrait aller mieux. Doubleration, c'est ton truc, non ? Je vois, vous devriez faire humoriste, hein. Enfin bref, tu vas devoir bosser si tu veux être à la hauteur.
L'entraîneur veut changer de stratégie pour la Champions League. Deux joueurs sur les côtés et un dans l'axe. Il faut faire peur à l'adversaire dans le jeu aérien. On doit marquer la différence en Champions League. On va devoir surprendre les équipes adverses. Vous savez, joueur d'appui, c'est pas vraiment mon registre. Écoute-moi bien, fiston. Être un joueur d'appui, c'est le meilleur moyen pour toi de te retrouver titulaire en Coupe d'Europe. L'entraîneur pense que t'as toutes les qualités, mais tu dois travailler ton jeu de tête. Vous êtes sérieux ? Écoutez, je me vois plutôt comme un renard des surfaces. La dernière fois que j'ai évolué en joueur d'appui, j'étais gosse. C'est pas mon jeu du tout. Eh bien, il va falloir que tu apprennes, Williams. Fais-en ton jeu, ou alors tu risques de regarder la Coupe d'Europe depuis ton canapé. C'est à toi de voir. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire, Pierre, sur Santiago Bernabéu ? Je parle pas de l'homme, hein, je parle du stade, ici, en plein cœur de Madrid. Bah, c'est un des plus gros d'Europe, avec 80 000 places, mais le plus impressionnant, c'est évidemment la salle des trophées. Là. Dis donc, pour nettoyer les coupes, c'est tant mieux, parce que je le ferai pas tous les jours. Pour y apparaître la composition du Real Madrid, c'est un Alex Hunter. Attention, à ce corner, il y a du monde. Oh, il n'est pas seul, il y a du soutien. Attention, la barre et c'est dedans. Le coup d'envoi de la seconde période qui vient d'être donné. Rappelez qu'il s'agit du premier match de groupe. Ah non, c'est un adversaire qui récupère cette passe. Isco, Sergio Ramos, Modric. Ouais, la magnifique passe là de Modric. En profondeur, attention. Et but du Real Madrid. Le buteur qui a les sleeves, il est tout seul. Il est parfaitement lancé, là, il n'y a plus qu'à battre le gardien. On va peut-être mieux voir ce qui s'est passé. Après une longue attente, vous avez enfin pu goûter à votre toute première Ligue des Champions. Ouais, c'était bien, c'est vrai. Mais j'étais surtout concentré sur le résultat. Les supporters qui sont ici veulent nous voir remporter la Ligue des Champions et je dois tout faire pour leur donner satisfaction. Et vous n'avez jamais pris un peu le temps de savourer un petit peu ? Oh, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais je garde ces moments-là pour moi. Pas de soucis, Alex. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Et... Attention ! Et... Oh ! T'as du bol de nous avoir évité au tirage au sort. Ouais, je sais. T'imagines, ça aurait fait bizarre d'être éliminé par ton ancienne équipe. Ah ouais. Tous tes rêves de Champions League et de gloire qui tombent à l'eau. Je sais pas comment j'aurais pu me remettre d'un truc pareil. N'exagère pas. Au moins, tu pourras jouer contre Terry. Deux frères sur le même terrain, les journalistes vont adorer. Ouais, ça va être spécial, c'est clair. Oh, ça doit être Michael. Comment il va ? Il a le Williams, l'icône mondiale parmi ses clients. Comment tu crois qu'il va ? Salut-le de ma part. Ouais, si j'en ai envie. Bon, ciao mon vieux. Non mais... Ah, Michael, tu viens de te faire attendre. Je suis désolé, il y avait des embouteillages. Alors, on est bien tombé ? Ouais, c'était un tirage intéressant. Attends. J'ai toujours su qu'Hunter avait ça dans le sang. Ça me rappelle ce gamin avec qui on allait à l'école. Il se prenait pour un footballeur, comment il s'appelait ?
Quoi, Muggers? Non, tu rigoles. Ils sont tous pareils, ces bouffons. Tu te rappelles quand Mugger faisait 20 feintes avant de marcher sur ses lacets et tomber par terre? Parce qu'on dit, il a fini dans un championnat bidon et il joue même pas. Écoute, Danny, je viens de voir mon ami agent immobilier. D'accord. Il t'a trouvé la maison idéale. 4 chambres, 3 salles de bain, un sauna et 10% de remise. Non, c'est sérieux? T'aurais pu nous envoyer le lien par mail? Tu vas quand même pas vivre ici pour toujours, Danny. Ça fait pas exactement première ligue ici. Ça fait plutôt, je sais pas, joueur amateur. Mais une maison comme ça, ça en jette, pas vrai? Ça renvoie une bonne image aux sponsors. Tu vois le truc? Ouais. T'es en pleine ascension. Tu vas arriver loin. Pense-y. Je te rappelle plus tard, Danny. Ouais, d'accord. Merci, Michael. T'en penses quoi? C'est vrai que c'est un peu cher, mais avec tous les investissements que t'as fait, sans parler du reste... 3 salles de bain? Qui a besoin de 3 salles de bain? Je suis sûr que Taylor, il touche un pourcentage sur la vente. Quoi? Non, Michael ferait pas ça, il est réglo. Il est sournois, si tu veux mon avis. Et puis, t'as d'autres chats à fouetter. Par exemple, comment gérer Terry en Ligue des Champions? Il te dominait toujours quand on était gosse. Ouais. Ouais, mais... On n'est plus des gosses, pas vrai? Non. Ça, c'est parlé, mec. Je suis sûr que ça sera différent cette fois. Alex, la FIFA organise l'événement non-racisme qui va se dérouler ce mois-ci à Madrid. Et tu y es invité. Toutes les stars seront là. Neymar, De Bruyne, Ronaldo. J'en suis. Tu dois y aller. Bien. Ensuite, réfléchis à l'association à qui tu veux donner de l'argent. J'organiserai une interview après l'entraînement pour l'annoncer. D'accord. Et après, il faut qu'on réfléchisse sérieusement à ta marque. La séance photo aura lieu dans quelques semaines. Et il faut qu'on ait choisi ton logo d'abord. J'ai pris un peu d'avance. Ah ? Eh bien, il se trouve que ma mère est dessinatrice dans une boîte de graphisme. Et je me suis dit qu'elle pourrait peut-être nous aider à travailler sur le projet. Intéressant comme idée, mais je pensais plus elle à quelqu'un... Elle connaît le foot depuis longtemps, depuis sa rencontre avec mon père. Et c'est elle qui me connaît le mieux. Ce serait top. Allô, maman? Tout ce que je dis, Lily, c'est que tu dois continuer à centrer, et moi, je marque avec la tête, tu comprends? C'est bon de savoir que ta tête peut servir à quelque chose, finalement. Tu sais, je sais vraiment. Et là, qu'est-ce qui vous a valu d'être transféré dans ce club emblématique du PSG? Tous les attaquants en Europe ont peur de moi, parce que je leur laisse pas d'espace, vous voyez. Il faut juste remporter ces duels. Et veillez à ce que votre adversaire se souvienne que vous pouvez le battre. Et quel est votre état d'esprit alors que vous allez affronter votre frère Danny Williams en phase de groupe? Ça doit être quelque chose pour vous. Peut-être pour lui. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Quand on gagne ce genre de choses, rien ne peut vous atteindre. Intéressant. Mais si mes souvenirs sont exacts, vous n'avez pas disputé la finale, non? C'était ma première saison en Italie, je prenais mes marques. Mais j'ai joué un rôle dans notre parcours, ne l'oubliez pas. C'est un sport collectif, vous comprenez? De toute façon, je ne me soucie pas de mon frère. Comment pourrait-il être meilleur que moi? Si tu regardes, Danny, je t'aime, mec. Ouais, c'est ça. Williams? Je me demandais si je pouvais continuer à m'entraîner, vous voyez? Bon, c'est ce que l'entraîneur veut que je travaille. Bonne initiative. Le terrain est à ta disposition. Je parle pas du terrain, je... Je me demandais si vous accepteriez de m'aider. Je te demande pardon, Williams. J'ai pas très bien entendu. C'est juste que je me demandais si vous pouviez m'aider à m'entraîner. Quand tu veux, fiston. Cool. C'est sympa. Je vous enverrai les instructions. Quoi? Quelles instructions? Oh, t'as vu ça? C'est tout prêt. Oh, oh, oh.
Qu'est-ce qui va bien? Il se remet. Ça va. La visite lui fait du bien. Ok. Maintenant, je sais ce que tu ressens avant un gros match. Maman, ça ira. Alex. Béa. Ah, et vous devez être Madame Hunter, Catherine. Enchantée. Béa. Et voici mon grand-père, Jim. Jim Hunter. Inutile de nous présenter. C'est un honneur de vous rencontrer, monsieur. Ce n'est pas la peine de vous lever. Je voulais juste vous serrer la main. Enchanté. Laissez-moi vous présenter mon assistant, Maximilian Luis. Para servirlos. Et le responsable du service marketing de Villanova et associé, Francisco Esposito. Buongiorno. Ravi de vous rencontrer. Je n'imaginais pas que vous seriez aussi nombreux. Bien, et si on commençait? Bon, en résumé, on associe Alex au loup en communiquant sur son intuition et son intelligence sur le terrain. Et on insiste sur son instinct de buteur dans la surface. Francisco? Disons que pour moi... Si on fait référence au loup, cela suggère plutôt qu'Alex fait partie d'une meute et qu'il n'a pas d'identité. Pour ma part, je trouve que ça n'est pas très bon. Et toi, Alex, qu'est-ce que tu en penses? Pour faire plutôt chef de meute, quelques retouches et ce sera super. Bon, étant donné que nous ne parvenons pas à nous mettre d'accord, je suggère que vous teniez compte de nos commentaires, Catherine. Dans le même temps, je demanderai à mon équipe de trouver autre chose avant qu'on ne se décide. Bien sûr. Ça me paraît équitable. Alors nous sommes d'accord. Parfait. Tu ressens tout cet amour? Ah ben, ça doit être sympa, Noël, chez les Williams. Bienvenue, merci de nous avoir choisis pour suivre cette rencontre de la deuxième journée de l'UEFA Champions League. En même temps, s'ils veulent jouer, ils n'ont pas le choix. Le match qu'on va suivre promet d'être extrêmement intéressant. Oui, puisque nous retrouvons le PSG face à Manchester United. Il y a deux clubs qui, soit dit en passant, ne se sont jamais croisés en compétition officielle. L'arbitre qui vient donner le coup d'envoi de ce match. Deuxième dans ce groupe pour les deux équipes. Williams. Dommage, la frappe était pas mal, ça passe juste au-dessus. Oui, belle passe en profondeur de Matic. Daniel Williams. Et l'arrêt de Buffon. Et le gardien, c'est pas fini. Le public qui se manifeste. Ah, il y est. On le sentait venir. Et il est venu. C'est un premier but amplement mérité pour cette équipe. Le match dans le match aujourd'hui, c'est bien sûr celui qui oppose les deux frères Williams. C'est un petit peu le choc des extrêmes entre Danny, celui qui marque, et Terry, celui qui est là pour empêcher le marquer. Ouais, on imagine assez bien à quoi devaient ressembler les parties de foot dans leur enfance. Je ne sais pas qui attaquait et qui défendait, mais j'ai ma petite idée quand même. Belle réussite en tout cas pour ces deux frères. On souhaite à Danny de remporter l'UEFA Ligue des Champions comme son frère l'avait fait avec l'Inter en 2010. Ah, ça lui rembêtera un peu son caquet au frangin, mais bon, on n'y est pas.
Danny Williams qui remet ça, on n'y arrête plus. Ah, il est en train de vivre un sacré match là, il a vraiment choisi le bon moment pour s'illustrer. Un sourire entraîneur et c'est normal, son équipe joue bien, elle mène largement la marque maintenant. Vous avez affronté votre frère en Ligue des Champions. Qu'avez-vous ressenti après cette victoire ? Oh, en fait, j'ai toujours été sûr qu'on allait gagner ce match. Et ce bon vieux Terry, il n'est plus aussi rapide qu'avant, on dirait. J'imagine que ça nous arrive à tous, tôt ou tard. Vous voulez dire que Terry a fait son temps ? Oh. Tout ce que je dis, en fait, c'est qu'on finit tous par se faire rattraper par le temps, c'est tout. Eh bien, je ne manquerai pas de lui demander ce qu'il pense de tout ça. Oh, il comprendra ce que j'ai voulu dire, ça va sûrement le faire rire. J'en suis sûr, merci. Eh ben dis donc, où est-ce qu'on signe ? Ça vaut des millions, ça ? Avec 10% de remise. Je crois que c'est dans ton budget, Danny. Il est temps que tu déménages. Mon gars peut pas te la réserver plus longtemps. J'ai dû faire intervenir mes relations. Je vous laisse une minute, les gars. Mec, à ce prix-là, j'espère qu'il y a des domestiques inclus. Ouais, c'est juste que ça prend du temps de réunir une telle somme. Ou alors, ils ont pas d'argent du tout. T'as l'air plutôt pressé de conclure cette affaire, mon vieux. Ou peut-être que tu mijotes quelque chose de ton côté. Hein ? Vous donnez à une association, vous pouvez nous en parler ? Je crois vraiment en la mission que s'est donnée EA Play to Give et j'ai décidé de rejoindre cette cause. C'est très généreux de votre part, Alex. C'est la moindre des choses. Ils se battent pour l'intégration à travers le monde et c'est un combat auquel je souhaite participer. Je trouve que c'est une belle cause. Et où pouvons-nous trouver des informations sur cette association Play to Give ? Il suffit de se rendre sur www.ea.com et de chercher Play to Give, si on veut en savoir plus. Votre générosité montre la force de vos convictions, Alex. Merci. Merci à vous. Bon, écoutez-moi, les filles. Aujourd'hui, il faut que vous soyez de vraies tigresses. On est déjà qualifiées pour la France. Ouais. Bien, bien. Mais aujourd'hui, on affronte le Canada. Et elles auront faim. Je peux vous dire qu'elles auront très faim parce qu'elles nous ont battus que 3 fois. La dernière fois, c'était en 2001. Vous voulez leur laisser une 4e chance ? Non. Morgan, Hunter, la sélectionneuse veut que vous débutiez en pointe. Elle espère que ce sera le début d'une belle association. Une association qui va marquer des buts. Ne la décevons pas, d'accord ? Allez, les filles ! Prête ? Ouais. Allez les filles, on donne tout. On n'a peur de personne. Let's go. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce dernier match des éliminatoires de la zone CONCACAF entre le Canada et les États-Unis. Ouais, c'est une rencontre sans enjeu ou presque, puisque les deux équipes sont qualifiées pour la Coupe du Monde féminine en France. Et les États-Unis ont décidé de tenter une association inédite en alignant la jeune Kim Hunter aux côtés de celle qu'on ne présente plus, Alex Morgan. L'expérience d'un côté, la jeunesse de l'autre. Et quelque chose me dit qu'il va falloir suivre de très près la toute jeune Kim Hunter. Parce que beaucoup voient en elle l'avenir de cette équipe américaine. Et les joueuses canadiennes retenues pour ce match. Alors, l'animation tactique, l'entraîneur a opté pour un 3-5-2. Ouais, l'option est mise sur une grosse densité au milieu de terrain et sur la capacité à... Elle lance le contre. Kim Hunter. Bon, attention, c'est pas fini. Ah, c'est contré.
Corner à suivre pour les Américaines. Le corner qui va arriver en plein milieu de la surface. Ah, c'est bien joué ce corner, mais finalement ça passe à côté. Ah, mais faut pas se décourager. Alex Morgan. Kim Hunter bien placé. Et le but! Le but de Kim Hunter pour les États-Unis. Ah, c'est vraiment un phénomène cette joueuse, malgré son jeune âge, elle est déjà impressionnante avec la sélection américaine. Et son association avec Alex Morgan en attaque risque de faire des ravages. On voit qu'elle marque de son pied plus faible. Et c'est peut-être ce qui a surpris la gardienne d'ailleurs. Attendez qu'on revoit ce but d'un autre point de vue. Ah ouais, bien donné en profondeur. Ça sera un corner pour les Américains. Le corner. Alex Morgan. Oh, le but! Eh, le but qui est signé Alex Morgan pour les États-Unis. Beaucoup d'expérience chez cette attaquante, on peut toujours compter sur elle. Et je suis sûr que Kim Hunter va beaucoup apprendre à ses côtés. Voilà, l'arbitre siffle à l'instant la fin de ce match. Profites-en, Hunter. Ce sera pas la même en France. T'es sérieuse? On vient de te battre, Tremblay, la ramène pas. T'es qui, toi? Sa maman? Grande classe. C'est quoi son problème? Je suis avec la jeune prodige de la sélection américaine, Kim Hunter. Kim, tout s'est accéléré pour vous. Cette première sélection fait de vous la plus jeune joueuse des éliminatoires de Coupe du Monde. J'avoue que j'essaie de pas trop y penser. Je reste concentrée sur mon jeu et sur ce que je peux apporter à l'équipe. Et qu'en pense votre frère Alex? Lui qui n'a pas encore été appelé en sélection nationale. J'imagine qu'il doit y avoir un peu de compétition entre vous, non? Alex m'a toujours soutenue. C'est un super grand frère. Mais personnellement, je rêve de cette sélection depuis que je... Avez-vous parlé à Alex depuis son transfert au Real Madrid? Ça va, il s'acclimate bien? Très bien, je crois. J'ai pas vraiment eu l'occasion de lui parler depuis son arrivée en Espagne. Il n'a pas trop de problèmes avec la langue? Est-ce vrai qu'il apprend l'espagnol? Je crois, ouais. C'est mais... une exclusivité, cher fan. Et, pour finir, un mot sur les nouveaux maillots de l'équipe? Nike, c'est notre sponsor. On a beaucoup de chance. Eh bien, en tout cas, le maillot est génial. Merci. La lumière, ça va pas. Non. Est-ce que tu peux prendre ce truc? Ouais. C'est un réflecteur de lumière. Vas-y, mets-toi là. Incline-le. Bien, encore un peu. Voilà, comme ça. Ouais. Danny, salut. Un tout petit peu plus haut. Ouais, super. Et voilà, c'est bon. Merci, Danny. Prêt à tourner dans 10 minutes, mais ça peut durer un peu plus longtemps. Tu sais ce que c'est, hein? Tout ça, rien que pour toi. Ouais, c'est dingue, non? Max, tu veux bien me ramener à boire? Tout de suite, patron. Maman? Je veux un truc sans sucre. Oh, pardon. Tio, tu m'as servi quoi, là? Tu sais bien que Monsieur Hunter ne prend pas de ça. Bien. Enfin, le projet final. Avec un peu de retard, d'accord, mais on a fini par y arriver. Super, voyons ça. Le projet de Catherine. Ouais,
C'est vrai que je suis assez contente de moi, même si ça se dit pas trop. Ah, ça c'est la grande classe, Alex, regarde. Wow. Je veux pas te presser, Alex, mais il faut se décider. Honnêtement, je choisis celui de maman. C'est une décision importante, Alex. Ce logo sera désormais associé à ton nom pour toujours. Je crains seulement qu'avec le temps, tu te dises que tu aurais dû faire un autre choix. Alex a fait son choix. J'informe le réalisateur. Max. Au revoir, mon ami. J'avais peur qu'il te plaise pas. T'as fait du bon boulot, maman. Alex, ils t'attendent. Et le réal a dit pas de téléphone. Ça risque de durer un peu tard ce soir. Ça ira? Qui décide de ça? Désolé, c'est pas de mon ressort. Mais je te le garde si tu veux. De rien. Oh, oh non! Mais c'est quoi ce jeu? C'est plus facile sur un vrai terrain. Ok. Dernière tentative. Ouais! C'est rentré! Félicitations, ça c'est un but! Electronic Arts commence enfin à reconnaître le génie de Danny Williams! Je vais l'appeler. Téléphone d'Alex Hunter? Est-ce que je pourrais non, parler quoi? Au revoir. Je peux laisser Bye. Un message? On n'est pas plus poli. Qui va faire des cauchemars maintenant? Dure la séance. Ça va? Trop difficile pour toi? Oh, désolé. Je suis claqué. Tu crois que t'en fais assez pour mériter ta place dans l'équipe? J'ai juste besoin de récupérer. Demain, je reviendrai en force. Je sais que t'es occupé en dehors du terrain, comme beaucoup d'autres joueurs dans ce club. Mais fais en sorte que ça n'affecte pas ton vrai boulot. Ouais, t'étais un peu court. T'as surmonté ta défaite? Ça a vraiment dû te rendre malade. N'importe qui peut avoir un coup de chance de temps en temps. Mais il faut un sacré talent pour gagner ce genre de match. Et tu connaîtras jamais ça, gros naze. Alors quoi? Tu viens tout juste de décider de porter cette médaille? Ouais, ça va bien avec ma tenue. Pourquoi t'es là, d'ailleurs? Je viens seulement d'arriver pour jouer le match demain. Je voulais faire un coucou à mon petit frère. J'attendais sur le parking, mais ton butler m'a dit que tu faisais quelques séances supplémentaires. Est-ce que t'aurais pas un peu la trouille, frangin? Ouais? Dans tes rêves, continue à me parler comme ça et tu vas le regretter. Oh mince, cette fois j'ai vraiment peur. Allez, je plaisante, viens, comme au bon vieux temps. Le bon vieux temps? Ouais, je suis pas très sentimental. Ok, c'est bon. Écoute, rendez-vous sur le terrain, d'accord? Quoi? Allez, détends-toi, gros naze. C'est déjà l'avant-dernière journée de cette poule du FA Champions League. Rencontre intéressante au programme aujourd'hui, Pierre. Oui, il reste plus que deux matchs, c'est là où tout va se jouer. Ça date dans trois matchs, ce sera trop tard. Voilà. Le match qu'on va suivre promet d'être extrêmement intéressant. Oui, puisque nous reprendrons le PSG face à Manchester United. Il y a deux clubs qui, soit dit en passant, ne se sont jamais croisés en compétition officielle. Au
programme aujourd'hui, l'UEFA Champions League. Et ça commence à l'instant même. Ouais, début de la rencontre de cette cinquième journée. Pogba, Matic. Ouais, l'arbitre a touché le ballon, mais ça va se poursuivre. Ouais, le bon ballon en profondeur de Cavani. Kylian Mbappé. Ah, on l'a déjà vu plus précis hein, quand il centre. Neymar. Kurzawa. Il cherche un coéquipier dans la surface. Et quand même, il n'y avait pas beaucoup d'autres choix là. C'est le deuxième round du match Williams contre Williams aujourd'hui. Et on voit bien Dani envoyer un petit texto à son grand frère pour lui rappeler le résultat du match aller. Ouais, attention quand même parce qu'il est susceptible, Thierry. Hein. On le sait, la défaite au Parc des Princes lui est restée en travers de la gorge. Et quelque chose me dit que Dani aura droit à un petit traitement de faveur de la part de la défense parisienne aujourd'hui. Non, par contre, si Dani marque et que le PSG s'incline... Alors là, tu peux être sûr que ça va chambrer sec. Draxler. Pogba. Matic. Antonio Valencia. Juan Mata. Oh, c'est pour Daniel Williams. Oh, le bel arrêt, ouais, Alexis Sanchez qui prend sa chance. Ouais, il y est. On le sentait venir. Et il est venu. Ah, c'est un premier but amplement mérité pour cette équipe. Ah, le ballon qui rentre. Pourtant, le gardien l'avait touché. Ah, dommage, il a réagi avec un dixième de seconde trop tard. Manchester United qui a pris le meilleur sur son adversaire jusqu'à présent. Cavani. Verratti. Draxler. Très mal donné hein, ce ballon. C'est donc Danny Williams qui marque. Et le break peut être fait à la pause. C'est la mi-temps à l'instant. Le score pour le moment 2-0. C'était un beau match. Ouais, c'est vrai. Tu joues bien. Tu sais, j'ai rencontré ton pote, Hunter. C'est un mec bien. Ouais. Attends, Alex ? Vraiment ? Ouais. Bah, tu lui diras bonjour de ma part, si tu le revois. Pas de soucis. Bonne chance. Ouais, à une prochaine fois. Allez, début à l'instant de la seconde période. Ouais, encore 45 minutes à jouer dans ce cinquième match de groupe. Neymar. C'est un privilège hein, de voir jouer Neymar quand même. Lui me fait rêver parce qu'il fait des trucs avec le ballon que d'autres n'arrivent même pas à imaginer. Il agace beaucoup ses adversaires qui ont tendance à souvent lui mettre des gifles, mais moi je paye mon billet pour le voir jouer. Hein. Williams. Sanchez. Matic. Manchester United sur le côté. Attention, c'est assez libre, ça peut faire mal. Williams. Oh, c'est renvoyé par la barre. Kurzawa, le dégagement. C'est terminé, l'arbitre qui siffle la fin du match, victoire de Manchester United. Superbe victoire, qui s'explique par une excellente prestation offensive. La caravane nulle part, j'imagine. Elle doit être garée quelque part, dans le coin. Ta caravane ? Bah ouais. La loge de 15 mètres que j'attendais. Tout est dans mon contrat. Tout était OK. Hein. On n'est pas censé être à Los Angeles. Je,
Je suis désolé, Dani. Je sais pas qui t'a parlé d'une caravane, mais... Oh, vous êtes désolé. Laisse tomber. Il te fait juste marcher. On sait jamais comment l'arrêter. Oh. Bien joué. Tu m'as bien eu, très drôle. En fait, vous vous connaissez? Eh, hey, salut non. Les gars. Eh, hey, quoi de neuf, mec? Je savais pas que t'étais là aussi. Eh ouais, j'aime bien voir de jolis gestes. C'est sympa à regarder. En plus, je vais peut-être apprendre quelques nouveaux trucs. Eh, hey, ouais. Salut, Danny Williams. Ah, le Williams. J'ai joué avec ton grand frère Terry à la Juve. C'est un dur. Il s'entraîne vraiment comme il joue. Ouais. Ouais, c'est vrai, Terry est un vrai dur. Bon, les gars, je vous ai fait venir pour être les juges de la compétition. On va remettre le trophée Tango League, vous voyez, faire des photos et des dédicaces. Cool, sympa. Ouais, j'ai hâte. Ça a l'air fun. Oui, bon, écoutez, je dois passer voir les inscriptions. Je reviens tout de suite. Ok. Alex. Ça me fait vraiment plaisir que tu fasses ça pour moi, mec. C'est normal, mon pote. La première à 5? Ouais, ça me va. Tu me connais, avance. Allez. Légende, encore. Ouais, je sais, pas mal, pas mal. Ow. Hey, les gars, tardons pas trop. Il y a une vidéo que j'aimerais bien vous montrer. Le but de papy. Mm-hmm. C'est énorme. Eh ouais, je suis une vraie ninja du net. Joli cadeau de Noël, tu trouves pas? Ouais, le football, ça change jamais. Salut, Kat, c'est ça? Kim. Je ne te voyais pas aussi grande que ça. Comme Alex n'est pas venu à l'aéroport, je me suis dit que j'avais dû me tromper de date. Alors j'ai pris un taxi. Le chauffeur m'a arnaqué, je crois. Il m'a prise pour une touriste américaine. J'ai dû payer 106 euros. T'inquiète pas, il te remboursera. Entre. Salut! Je pense qu'on peut t'arranger ça la semaine prochaine après l'interview sur Sports News. On pourrait peut-être faire les deux en même temps. C'est toujours les mêmes questions qu'on pose. Tu dois créer une relation avec les journalistes. Chacune de tes réponses doit paraître exclusive. Attends. C'est ça, Alex, pour renforcer ton image de marque. Alex! Alex, tu pourrais au moins dire bonjour à ta sœur. Kat, on est... La pauvre petite ne savait pas quoi faire. Elle était perdue en arrivant. C'est toi qui étais censée aller la récupérer. Personne de ton entourage n'était là pour te le rappeler.
Entourage. Maman, détends-toi. J'ai bientôt fini. Ne me dis pas de me détendre. Tu dois revoir tes priorités. Tu vois tout ça? C'est pas réel, Alex. Tu penses qu'ils seront là si ta carrière s'arrête demain? Il sera là, lui? Et lui? La famille. C'est ce qui comptait le plus pour toi. Tu t'en souviens? Enfin, regarde! Tu n'es entouré que par des étrangers. T'es obnubilé par ton image. Catherine, je crois pas que ce soit... Je vous conseille de réfléchir avant de finir votre phrase. Allez, viens. Je ne veux plus avoir affaire à ces gens-là. Allons manger quelque chose. Maman! C'est bon, on continue. Très bien. Max, le programme? Si. Donc, si on... Je sais pas, c'est comme si je ne reconnaissais plus mon propre fils. Je m'attendais vraiment pas à ça quand j'ai décollé de Los Angeles. J'aurais pas envie de voir tous ces gens chez moi. Pourquoi Alex n'est pas comme toi? Il fait ce qu'il a à faire, j'imagine. Je te dois des excuses. Non, c'est Alex qui devrait le faire. M'oublier à l'aéroport, m'ignorer quand j'arrive, c'est de sa faute. Non, je... Je suis désolée. J'aime mon père, mais... Il est vraiment bête parfois. Les grands esprits. Bon. On va manger. T'aimes le jambon, j'espère. Tu peux aller jusque-là? J'ai une idée. Maman! Oh! Ça, c'est pour m'avoir oublié à l'aéroport. Écoute. C'est... C'est de la folie, ici, et je me suis... Je me suis laissé prendre dans l'engrenage. Je cherche pas d'excuses... Excuse acceptée. Si... Tu viens dîner avec nous. Oh... Là, ça va jouer sur le terrain. Mal. Je gagne, tu viens dîner avec nous. Tu gagnes, tu peux retourner voir ton entourage ou je sais pas quoi. Maintenant? Mon camp, ton camp. Le ballon doit être au sol pour marquer. Le premier à 5. Maman! Allez, Kim! D'accord. Tu commences. Bon, tu l'auras voulu. J'espère que t'aimes le jambon. Désolé, mais j'y peux rien. J'ai perdu. Les grands esprits. Ouais, c'est bien ce que je dis. Quelqu'un m'explique. Oui. Monsieur Hunter,
Tu n'es pas Alex Hunter. Je suis dehors, si t'as besoin, Alex. Dis-moi, qu'est-ce que tu vois ? Des trophées. L'histoire. Le succès. Je vois une famille. C'est la base sur laquelle ce club s'est construit. Les joueurs, ça va et ça vient. Mais l'équipe est une famille indestructible. Et une famille se fonde sur le respect. Tu n'affiches pas le niveau de professionnalisme que l'on attend des joueurs de ce club, des membres de cette famille. Peu importe ce qu'il se passe en dehors du terrain, ça ne doit jamais avoir de conséquences sur le terrain. L'entraîneur pense que le football ne fait pas partie de tes priorités en ce moment. C'est la raison pour laquelle on a décidé de te mettre sur le banc demain pour le match de Champions League. Guess I had it coming. Admitting our mistakes is the first step towards putting them right, Alex. It is this attitude that will help you reclaim your place on the starting lineup. Your friend is waiting. Shouldn't really be here anyway, should he? Each training session, each game in La Liga. Being on Real Madrid means having to prove yourself over again every day. Touche pour Marcelo. Un mot peut-être, Pierre, sur le retour d'Alex Hunter. Il a manqué un petit peu, certes, au tour précédent, mais ça n'avait pas empêché le Real de se qualifier. Ouais, évidemment, on a lu et entendu beaucoup de choses. Tout le monde a démenti toutes les rumeurs qui circulaient, comme ça, on n'est pas plus avancé. Je pense quand même que tout ça a un petit peu terni l'image d'Hunter auprès des supporters madrilènes et que la meilleure réponse à apporter, bah, ce serait un gros match et un but célébré adroitement, si possible. Lucas Vázquez, Alvaro, Adriozola, Kroos. Bien joué dans l'intervalle, Toni Kroos, c'est bien vu, hein. Et ça fait but! Ah, il n'y avait plus qu'à conclure. C'était vraiment à bout portant. Ah, ça devient facile pour le Real Madrid. Le joueur accélère quand il le faut, c'est propre. Le but encore, mais sous un autre angle cette fois-ci. L'entraîneur qui a du mal à cacher sa satisfaction sur le banc de touche. Ses joueurs dominent le match de la tête et des épaules. Alors, tu as une interview à 11h, une séance photo à 14h30, et ce soir, on va à un dîner de gala. Ouais, ouais. Et moi qui espérais un jour de repos ? Les vraies stars ne se reposent jamais. C'est pour ça que ce sont des stars. Aujourd'hui, on fait un pas supplémentaire vers l'objectif qu'on s'est fixé tous les deux. Faire connaître ta marque. Bon, je t'attends dans la voiture. Et ne perds pas de temps, tu es déjà en retard. T'as un truc sur ton t-shirt. Quoi ? Où ça ?
Trop facile. C'est dommage que tu partes déjà. Je dois me préparer pour la Coupe du Monde. T'es sûre de pas pouvoir nous accompagner à l'aéroport? Au moins pour dire au revoir à ta sœur. On pourrait même se balader, aller manger au resto, faire du tourisme. J'ai pas encore vu le Prado. Allez, viens avec nous, quoi. Yes, me. Gonna have to cancel today. All of it. Something more important came up. So, the Prado, you say? Actually, I'm feeling kind of tired. I might just head to the airport and nap for a few hours. Oi! That chick, little... C'est l'ambiance des grands matchs européens, ici au stade Santiago Bernabéu. Quatre équipes peuvent encore prétendre à la victoire finale en UEFA Champions League. Et avec Pierre, on va donc en observer deux. Aujourd'hui, le Real Madrid et Manchester City qui s'affrontent. Oui, Hervé, un match très attendu, évidemment. C'est un peu le maître qui reçoit l'élève aujourd'hui entre un Real qui a déjà plusieurs fois remporté le trophée et des Citizens qui attendent toujours le premier. Est-ce que ce sera pour cette année? Ben, on va bien voir. Et il a du soutien autour de lui, c'est bien. Alex Hunter. Oh, sur le poteau. Allez, ça sort, ce sera un corner. Raphaël Varane. Isco. Attention à la frappe. Oh, le but! Le premier but dans ce match. Ah, ça, c'est bon pour la confiance. Maintenant, le mieux, ce serait d'en claquer un autre. Quatrième arbitre qui indique qu'on jouera 5 minutes de temps additionnel. Kroos, oh, l'occasion peut-être pour Gary Bale. Hey, Kevin, ça va? Je t'ai pas revu depuis la soirée FIFA non au racisme. Quoi de neuf? Oh, rien de spécial. Je bosse dur en ce moment et je joue beaucoup. Tu sais ce que c'est? Oh ouais, je sais. Ça s'arrête jamais, mais pas de repos pour les braves. Surtout quand on est partout dans les médias comme toi. Je sais pas comment t'arrives à tout gérer. Mec, je gère rien du tout, c'est de la folie. Je m'en doute. On se voit tout à l'heure. Ouais, donne tout ce que t'as, mais vas-y mollo quand même. Je te promets rien. Allez, fais-toi plaisir. Tu vas pas rester ici toute ta vie. T'es encore en train de dire ça? Oh, le pote de Michael a encore retiré 2,5%. Combien de fois je te l'ai répété? Tout ton argent est bloqué à long terme. Ça peut pas marcher. Vu le salaire de Danny, il doit pouvoir se le payer. En fait, j'en suis même certain. Ouais, j'imagine. Qu'est-ce que t'insinues? Je suppose que tu es à court de clients. Les commissions, c'est plus que c'était. Tu peux me répéter ça? Danny, j'ai essayé de travailler avec ce cow-boy. Un cow-boy? C'est pas moi, le mec qui se fait larguer par tous ses clients. T'as de la chance que Danny soit un chic type. Demande-lui où est ton argent, Danny. Vas-y, demande-lui. Tu connais le passé de ce mec? Toi et moi, Danny, on est potes depuis qu'on est tout petit. Et moi, je me soucie de ton avenir. Ringo a raison. Désolé, Michael. Mais ça fait un moment que j'ai des doutes et ton bilan... pas très fameux, faut dire ce qui est. T'arrêtes pas de dénigrer Ringo, et je le connais depuis longtemps. Tu plaisantes, fiston? Tu vas écouter ce clown? Il n'a absolument aucune qualification, Danny. Et toi, dis-lui où est son argent. Il n'ira pas dans tes poches, je peux te le garantir. C'est de la folie, Danny. Je t'ai toujours soutenu. Tu es mon client numéro un. Ouais, ben, si je suis ton client numéro un, c'est parce que... tous les autres t'ont laissé tomber. Oh. Au revoir, Michael.
Oh, maman. Je connais les goûts de mon fils. Ouais. Ce sera prêt quand? Tu es prêt, Alex? On a une réservation à la Torée. Oh, non. J'avais carrément zappé. Une prochaine fois? Le meilleur resto de Madrid? Vous savez quoi? On ira un de ces quatre. Alex, je peux te parler. Alex, pour soigner son image de marque, il faut se montrer. Être toujours au bon endroit et surtout avec les bonnes personnes. Tu comprends? Se montrer en permanence, cultiver son image. Attendez, c'est pas à cause du logo, si? Je respecterai toujours tes décisions, Alex, même si je ne suis pas d'accord. Et je sais que tu te donnes toujours à fond sur le terrain, jour après jour. C'est la raison pour laquelle je fais de mon mieux pour que tu sois récompensé à ta juste valeur. Si toi et moi on fait bien le job, on pourra faire de grandes choses. Le dîner est prêt. J'arrive, maman. Alex? Je ne peux pas y arriver sans ton aide. Gracias. Ça va, mec? Tiens, j'ai un numéro du magazine de bagnole que t'aimes bien. T'as été cambriolé ou quoi? Ouais. Ouais, on peut dire ça. Les huissiers sont venus ce matin. Je sais pas ce qui est pire. Le fait que tu m'aies fait perdre tout mon argent, ou le fait que je l'ai appris comme ça. Mais enfin, dis quelque chose! Je voulais t'en parler depuis très longtemps. D'après le courtier, c'était un placement sûr. T'aurais dû gagner le double, le triple, si le marché suivait. Je voulais te montrer que j'étais bon à quelque chose. Mais plus j'essayais de rattraper le coup, plus je m'enfonçais. J'y suis même allé de ma poche pour essayer de sauver la situation, mais... Et Michael, alors? Il m'avait dans le collimateur. J'étais censé faire quoi? Tu ferais mieux de t'en aller. M'en aller? J'irai où? Je peux même pas payer un billet de train pour rentrer. S'il te plaît, Danny, on va trouver une solution. Tu te souviens de toutes ces fois où je t'ai logé chez moi, quand ton père te foutait dehors? Allez, on est potes! Tu vas pas détruire notre amitié! C'est toi qui l'as fait. Prends-le. C'est bien, petit. Détente, puissance et précision. Je te le dis, aucun gardien peut arrêter ça. Merci, coach. C'est très bien joué. Je pense que t'es vraiment prêt à affronter ton frère. Bon, allez, j'y vais. J'ai 40 minutes de route depuis votre terrain d'entraînement secret. Au début, j'y croyais pas, mais te voilà. C'est une blague? Tu sais quoi? Quand on m'a dit que mon petit frère, un attaquant de Première Ligue, était en train de s'entraîner sur notre vieux terrain, je me suis dit qu'il fallait que je vienne voir ça. Super, bah t'as vu. Tu peux repartir maintenant. Elle était pas trop mal, ta tête.
T'étais démarqué. Mais t'arriveras jamais à me prendre la balle. Ni aujourd'hui, ni demain, ni jamais. Et si on essayait, hein? Coach, je crois pas que ce soit une très c'est bonne pas idée. C'est une question, Danny. Le premier à 5. Allez, c'est parti. Comme au bon vieux temps, Danny. À la retombée, les gars! Et premier but! Bien, Danny, bien! Tu vois, Terry, ça fait deux. C'est trop facile. Bon, vous, les gars! Bim! C'est le troisième! Ouais, Danny, c'est bien ça! Allez, vas-y! Et c'est dedans! C'est le quatrième, non? Et pour toi? Plus de cinq! C'est bon, ça! Très bien! On va s'arrêter là. Ma femme va faire une scène. Danny, demain, réunion d'équipe avant le match. Oui, chef. Bon. Comme quoi, tout peut arriver. On verra bien, pas vrai, Terry? Oui. On verra. C'était il y a 3 mois. Hein. Et c'est toujours drôle. Alors, quoi de neuf? Oh, tu sais, pas grand-chose. Mais... Et toi, ça va? Je viens de finir de m'entraîner et j'ai plein de devoirs à faire. Oh, les devoirs, c'est relou. Ouais. Tu vas bien, toi? Quoi? Ah, oui, bien sûr, ça va. Je voulais savoir si t'avais vu ton frère récemment. Oh. À Madrid, il n'y a pas longtemps. Ah, pendant les vacances. Cool. Génial. C'était bien? C'était bizarre. Alex était bizarre. Il est très pris en ce moment. Il a toute une escorte qui le suit partout, plein de gens qui lui tournent autour. Ça me plaît pas du tout. Ah! Il a une escorte? C'est pas banal. Hein. C'est la belle vie, pas vrai? Il joue au Real, il a sa propre marque. C'est une star. On ne peut pas vraiment lui en vouloir. Non, je suppose que non. T'es sûr que tout va bien? Oui, évidemment que ça va. Pourquoi tu demandes ça? Je prends juste des nouvelles d'un pote, c'est tout. Où est le problème? Non, il n'y a aucun problème. Écoute, il faut que je te laisse maintenant. J'ai plusieurs trucs à faire aujourd'hui. Et puis, il y a plein de gens qui viennent me voir chez moi. Et ils sont un peu envahissants, en fait. Alors, content d'avoir discuté avec toi. Et je te rappellerai à l'occasion, d'accord? À plus. Ok. Salut. Première rencontre que l'on va suivre ensemble avec Pierre, bien sûr, c'est cette demi-finale aller. Oui, salut Hervé, ravi d'être ici. On va assister à un match exceptionnel avec la visite du PSG ici à Old Trafford. Surtout que pour pimenter le scénario, on aura droit à un face-à-face personnel entre Danny et Terry Williams aujourd'hui. À ce stade de demi-finale, c'est sûr que les clubs surprises se font rares, hein, faut bien le dire. Il n'y a pas beaucoup d'invités surprise. C'est sûr que le Celtic de Glasgow ou l'Étoile Rouge de Belgrade en demi, c'est déjà... Ça appartient déjà à une autre époque. L'arbitre qui donne le coup d'envoi de cette demi-finale.
Allez, on va être très attentif à tout ce qui se passe durant ces premières minutes. Pogba. Le roi. Ouais, Mata, la bonne passe dans l'espace. Alexis Sanchez. Ah, il y est ! On le sentait venir ! Et il est venu ! Ah, c'est un premier but amplement mérité pour cette équipe. Le gardien qui s'incline sur cette frappe extrêmement précise. Ce genre de ballon, quasi impossible à aller chercher. Dans ce but, toujours, mais cette fois-ci avec une autre caméra. Les gars, du calme, on a vraiment pas besoin de ça, ok? On se contente de jouer. Ouais, faut dire ça à ton coéquipier, c'est lui qui a un problème. Ah ouais, Terry, t'es un vrai dur. Ok, c'est bon mec. On a besoin de toi en deuxième période. Détends-toi. C'est parti pour la seconde période de cette demi-finale aller. 45 minutes, on verra si l'une des deux équipes aura pris une option sur la finale. Très mal donné, hein, ce ballon. De se détacher dans cette rencontre. Allez, c'est dur à digérer pour l'adversaire, mais on a déjà vu des remontées plus spectaculaires. C'est pas terminé, même si ce sera dur. Mais ça fait deux pour lui. Un doublé pour ce joueur. Et voilà, c'est terminé. Mission accomplie pour Danny Williams et ses coéquipiers. Pierre, ils sont bien partis pour disputer la finale de la Ligue des Champions. Ouais, c'est bien d'avoir battu le PSG domicile, avec la manière en plus. On est au passage que dans la famille Williams. Terry voudra prendre sa revanche sur Danny après ce déplacement infructueux. Effectivement, il reste ce match retour à disputer. On aura bien sûr le plaisir de le vivre avec vous en direct. Williams. Ouais. Et bah quoi? Tous les deux, ils s'entendent super mal. D'ailleurs, ils ont failli se battre en demi-finale. C'est vrai? J'ai dû les séparer. C'était la demi-finale de la Ligue des Champions. Ils se sont laissés emporter. C'est vrai. C'est vrai. Alors, qui c'est celui-là? Qui ça? Ces gens qui sont chez toi. Ah, ça c'est le entourage, mec. D'accord. Mais pourquoi ils sont là exactement? Enfin, je veux dire, ils font quoi? Ils gèrent ma marque, ce genre de choses. En gros, ils font... J'en sais rien, mais ils font quelque chose. Il faut demander à Béa, tu sais comment c'est. De mon côté, tu sais, il y a mon père. Et il y a aussi quelques personnes importantes, mais c'est tout. Personne d'autre? Non. Le foot me laisse pas beaucoup de temps libre, tu vois. Alors, j'ai envie de le passer avec les gens qui... Avec les gens qui comptent vraiment pour moi. J'avais jamais vu ça comme ça. Enfin, c'est juste mon opinion. Ah, ma voiture vient d'arriver. J'aurais aimé pouvoir rester plus longtemps, mais... Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu. De rien. Merci, mon pote. Bon vol, mec.
Écoutez cette ambiance, hein. Elle est à la hauteur de l'enjeu de cette demi-finale retour de l'UEFA Ligue des Champions. Salut à tous, c'est Hervé Matou en compagnie de Pierre Ménès, en direct du Parc des Princes pour, on l'espère, une remontada à la française. Tous les supporters en rêvent en tout cas. Ah non, pas toi, pas la remontada, pas après tout ce que tu as fait. C'est un truc qu'on met à toutes les sauces maintenant. Maintenant, les Parisiens doivent effectivement refaire leur retard aujourd'hui s'ils veulent aller jouer la finale à Madrid ou Wanda Metropolitano, mais pitié, pas de remontada. On va dire un comeback alors. Voilà, un comeback. Neymar. Ballon bien récupéré par Paul Pogba. Williams qui se porte vers l'avant. Attention. Juan Mata. Bernard. Ah, elle sera pour le gardien, cette passe. Juan Mata. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire ? Terry Williams qui dégage. Matic. Pour Bernard. Oh là là, l'occasion. Oh, le but ! Le premier but dans ce match ! Ah, ça, c'est bon pour la confiance. Maintenant, le mieux, ce serait d'en claquer un autre et se mettre à l'abri, ma bonne dame. Et ce joueur qui confirme toute sa classe avec ce but. Oui, il y a tout, là. Il y a le sang-froid dans la finition, aucune précipitation dans le dernier geste. La marque des tout grands. Voilà le coup de sifflet final qui marque la fin de l'aventure du Paris Saint-Germain. Avoir une place pour la finale? Tu pourrais venir me supporter? Manchester United, rendez-vous avec l'histoire aujourd'hui. Les Red Devils qui peuvent s'adjuger un nouveau titre de champion à l'issue de ce match. On va vous commenter ça avec Pierre Ménès. Oui, Hervé, et puis finalement, c'est assez logique que ce championnat de dingue se termine à la toute dernière journée. Évidemment, cette équipe voudrait obtenir un bon résultat aujourd'hui sans s'occuper de ce qui se passe par ailleurs. Mais à mon avis, pendant 90 minutes, ça va être radio portable. Paul Pogba, Jesse Lingard. Juan Mata, Matic, Sanchez, Matic, et le but, oh, le but qui va peut-être offrir le titre à Danny Williams et ses partenaires. Ouais, mais attention, c'est fragile tout ça, gare au relâchement. La mi-temps, Pierre, et on ne peut pas s'empêcher de se dire que Danny Williams et ses coéquipiers sont bien partis pour être champion d'Angleterre dans 45 minutes. Oui, d'ailleurs, même pour eux, ça doit être très difficile de ne pas y penser. Attention quand même, hein. C'est comme au vélo, il ne faut surtout pas lever les bras avant d'avoir franchi la ligne d'arrivée. Il avait bien senti le coup. Non, ça n'ira pas plus loin.
Man United. Et voilà, c'est terminé. C'est terminé la première ligue qui a donc rendu son verdict. Voici les nouveaux champions d'Angleterre, Pierre. Oui, et puis c'est pas un titre acquis dans un fauteuil. Il a fallu se battre jusqu'au bout et ça rend forcément le titre encore plus beau. Exactement. Regardez comme Danny Williams apprécie également ce moment à sa juste valeur. Ouais, c'est un moment exceptionnel pour ce jeune joueur qui pourrait aussi devenir champion d'Europe dans quelques jours. Ouais, c'est une première grande joie collective. Il y en aura peut-être d'autres. On leur souhaite en tout cas, mais on va les laisser savourer celle-ci. Alors, ils vont pouvoir brandir le trophée dans quelques minutes. Ils arrivent 1-1 dans le rond central où a été installé une sorte de podium. Parfois, c'est dans les tribunes et parfois, c'est au milieu du terrain, comme ça. Au moins, on voit mieux. Ça dépend, des stades. On sent que les joueurs sont quand même assez calmes hein, pour la remise de trophée. Bah, c'est pas non plus la Coupe du Monde. Hein. C'est vrai. Alors, ils vont pouvoir malgré tout fêter ça avec leurs supporters. Ça reste une ligne au palmarès. Hein, et on sent que les supporters sont quand même contents hein, de cette victoire, de ce titre. Ils sont tous ensemble. C'est aussi un moment de communion collective hein, quand même. Hein. Ouais, mais enfin, ils ne se le racontent pas quand même. Hein. Ouais. Ça reste très très mesuré tout ça. Allez, ils vont aller partager ça avec leurs supporters. Le gardien s'est emparé du trophée. Il va le brandir devant les fans. Ouais. On va aller voir qui se congratule également. Et tout le monde veut la toucher, la coupe. Hein. Ouais. Bon, il lâche pas son bout de gras. Hein. Pas prêteur avec son trophée, le garçon. Et regardez cette belle image, les supporters. Qui ça dit, on prête ses jouets. Allez, la petite photo pour l'éternité, parce qu'on ne se rend pas compte quand on vit des moments comme ça. Ça, c'est la photo que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, la photo officielle que les gens regarderont. Hein. Ouais, les joueurs font les marioles, mais c'est une photo qui est là pour l'histoire. Danny Williams, champion d'Angleterre. Ça sonne comment ? Ça sonne génialement bien, c'est énorme. Depuis que je suis tout môme, je savais qu'un jour je soulèverais ce trophée du championnat d'Angleterre. Vous voyez, j'ai littéralement visualisé l'instant, et là, regardez-moi, on y est, c'est enfin réel. C'est déjà une superbe saison pour vous, Danny, et ce n'est pas terminé. Maintenant, vous avez aussi une chance de remporter la Ligue des Champions. Et on va la gagner, ça c'est une évidence. Les qualités incroyables que cette équipe possède. Et les gars en attaque sont tout simplement... On va la gagner, on va graver notre nom sur ce trophée. Vous semblez particulièrement confiant, Danny Williams. Ouais, il faut absolument y croire. Wow, les gars. Il nous manque un invité ici. Le voilà. Williams, tu reprends ton souffle, petit ? Oui, coach, on peut dire ça. Mais c'est pas encore fini. La finale de la Ligue des Champions reste à venir. On devrait peut-être tous se calmer un peu. Un match à la fois. Oui, coach, ouais. Un match à la fois. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Monsieur Ménès. Bonjour Monsieur Matou. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle rencontre qui va nous permettre de voir en action le Real Madrid, d'ores et déjà sacré champion d'Espagne, hein, au terme de lutte qui a été vraiment acharnée. Ouais, la concurrence n'a pas pu suivre le train d'enfer imposé par le Real cette saison. Un Real qui, on le rappelle, ne jouera pas que pour l'honneur aujourd'hui. Il y a un autre rendez-vous qui l'attend ces prochains jours au niveau européen. Ah, c'est vrai, les Merengues qui peuvent réussir un double exceptionnel, le titre de champion d'Espagne. Allez, l'occasion peut-être de mener. Eh oui, monsieur, le but. Ouais, le but est surtout un avantage à préserver jusqu'au bout si possible. Action conclue avec cette très très jolie frappe. Très précise et qui passe à quelques centimètres du poteau. Très dur pour le gardien. On voit ce but sous un autre angle. Ah,
Asensio. Isco, ouais, elle est belle cette passe en profondeur. Le but de Gareth Bale. Et voilà, les supporters du Real Madrid récompensés, leur club est champion d'Espagne. Et ouais, c'est ça qu'ils sont venus voir aujourd'hui. Leurs joueurs vont pouvoir soulever le trophée. Regardez Alex Center. Quelle saison pour ce tout jeune joueur. C'est sûr, hein, pour sa première année au Real, doublé Liga et UEFA Champions League, ça aura de l'allure. En attendant, la joie collective des Madrilènes. Sont regroupés sur le petit podium qui a été installé dans le rond central. Ils ne sont pas foulés sur le podium. Hein. C'est vrai que c'est pas super, mais bon. Bah, les joueurs s'en fichent. Hein, ouais, ce qui compte, c'est le trophée qu'ils vont pouvoir brandir dans quelques minutes maintenant devant leurs supporters. Ils ont l'air impatients, voilà, ça tapote, ça sautille, ça chahute. Les fameux papelitos hein, qu'on voit maintenant sur toutes les remises. Ça y est, voilà, la coupe est brandie. Superbe victoire. Devant une foule en liesse, hein. C'est vrai que c'est un résultat qui était attendu par tout un club. Oh oui, et puis voilà, la joie est très pure et très sympa à regarder. Et très communicative. Et je sens que... Allez, ils vont aller partager ça avec leurs supporters. Le gardien s'est emparé du trophée, il va le brandir devant les fans. Ouais. On va aller voir qui se congratule également. Et tout le monde veut la toucher, la coupe. Hein. Ouais. Bon, il lâche pas son bout de drap. Hein. Pas prêteur avec son trophée, le garçon. Et regardez cette belle image, les supporters. Qui ça dit, on prête ses jouets. Et la petite photo de groupe qui n'a pas fini de tourner sur les réseaux sociaux, j'imagine. Ouais, il y a les joueurs qui savent ce que ça fait d'être dessus. C'est un moment à la fois solennel, mais quand même festif et un peu déconnant. Quoi. Je me trouve à présent aux côtés de l'un des buteurs du jour, Jim Hunter. Jim, bienvenue dans notre émission et merci pour votre disponibilité. De rien. Décrivez-nous, si vous le voulez bien, votre 100e but. J'ai été très bien servi, comme si le temps s'était arrêté. C'était vraiment une excellente volée du gauche. Je ne suis pas sûr que les supporters de Coventry aient beaucoup apprécié. C'est le football. En fait, quand vous êtes dans votre match, tout le reste s'arrête. Il n'y a plus que le jeu qui compte. Tout se résume aux 22 joueurs. Ça a toujours été comme ça. Et ça sera toujours. Un but comme celui-là, c'est la récompense de tous ces sacrifices. Un but comme celui-là, c'est la récompense de tous ces sacrifices. Club. Vous pensez que c'est plutôt une bonne ou une mauvaise chose? Ouais, ce sera sympa de retrouver tous les gars. Mais c'est vraiment une très bonne chose. Je connais leur jeu par cœur, leur tactique et leurs petits trucs. Alex Hunter? Ouais, c'est un vieux copain. Ça fait un sacré bail qu'on s'est pas parlé. Je peux pas trop lui souhaiter bonne chance, si. Williams? Il est super, c'est un de mes meilleurs potes, on discute tout le temps. Mais c'est la finale de la Ligue des Champions. Pendant 90 minutes, ce sera juste un autre adversaire.
Williams ? Non, je signe pas d'autographe aujourd'hui, je suis trop occupé. Comment tu vas, mon pote ? Bien, très bien. Je suis en finale de la Ligue des Champions, tu le saurais si tu répondais au téléphone une fois de temps en temps. T'as raison, c'est différent, je peux plus venir faire un match comme avant. Non, non, je suppose que non. Je peux maintenant, si tu veux. Maintenant ? J'en sais rien, je suis très occupé, Hunter. Tu vois, j'ai une finale à préparer, je sais d'accord, pas si je trouverai le temps de mon agenda. Comme j'ai tu veux, un tas mec. De trucs à faire. Mais ouais, bien sûr, je vais t'affronter. Je vais pouvoir te battre comme au bon vieux temps. Oh, arrête. Tu sais que tu peux pas rivaliser avec le grand Hunter. Je suis garé par là. Hunter élimine un joueur. Puis un autre. Allez, sors, le gardien sors, à battre. Sors. Oh, allez. Le coup du chapeau pour Alex Hunter. c'est bon, rassieds-toi, je vais faire l'engagement. T'y tiens vraiment? Hé, tu sais ce qu'on dit. Mauvaise répétition, bonne performance. Qui dit ça? Plein de gens disent ça. Personne ne bon, dit ça, mon pote. Je viens de le dire, alors. D'accord. Comment va Jim? Il va bien. Pourquoi? Comme ça. Je me souviens plus de la dernière fois qu'on a fait ça. Je sais que j'ai pas été un très bon pote. Le Real, c'est prenant. C'est une bulle dont tu peux jamais sortir. Au moindre déplacement, quelqu'un pointe son téléphone sur toi. Mon visage est partout. Les gens me connaissent, savent ce que je fais. Il y a quelques années, je rêvais que de ça, mais... j'ai jamais pensé à ce que je pourrais perdre. Comme mon identité, ou les choses qui comptent pour moi. Ouais, enfin c'est toujours mieux que de voir son visage sur une pub pour Fish and Chips, non ? Les gens se demandent qui c'est ce clampin dans une tenue à deux balles. Mais t'as raison, t'as pas été un très bon pote. Elle est bizarre, cette finale. Ouais. C'est pas trop ce que j'imaginais. J'ai besoin de ça. Parce que moi, non. Si, mais toi, c'est différent. Comment ça, c'est différent? C'est la finale de la Ligue des Champions. Je la veux tout autant que n'importe qui, tout autant que toi. Tu comprends pas? Fais-moi confiance. Je comprends. Non, c'est faux. T'imagines même pas ce que j'ai vécu. On m'a mis à gauche, à droite, dans l'axe. Et toi, t'étais enfermé dans ta petite bulle et t'as rien vu. On jouait ensemble il y a 2 ans. Pendant ces 90 minutes, tu seras un footballeur comme les autres. Et ni toi, ni Terry, ni Ringo, ni personne d'autre ne pourra m'empêcher de gagner la Ligue des Champions. D'accord ? Mon nom est sur ce trophée. C'est un match de foot. Que le meilleur gagne. Et on sait tous les deux qui ce sera. C'est ce que tu crois ?
À une époque, le football féminin attirait autant de spectateurs que le football masculin. C'était après la Première Guerre mondiale. C'est vrai. Mais c'était avant mon époque, il faut que tu le saches. L'Angleterre a besoin d'une nouvelle Lilipare pour retrouver la gloire d'antan. Et tu sais que ton arrière-grand-père, William, l'a vu jouer devant 50 000 personnes à Goodison Park. Elle a marqué 43 buts dès sa première saison et elle était encore plus jeune que toi. C'est une fille incroyable. Je suis ravi que ça ne te surprenne pas. Tout se passe bien ? Grand-père, t'es venu. Attends, tu ne pensais quand même pas que j'allais rater ça. Comment ça va? Ça fait longtemps que j'ai pas été en tribune. Ça remonte à quand? 2005? 2004. La finale de la FA Cup. Papa nous avait emmenés à Cardiff au lieu de sortir avec maman pour leur anniversaire de mariage. Elle lui a pas adressé la parole pendant une semaine. Et il s'en fichait. La seule personne qui comptait vraiment pour lui, c'était son Millwall. On a raté pas mal de choses quand on était gosse, hein. Chaque fois que je regardais papa, je voyais que de la déception dans ses yeux. Petit Danny, tu n'arriveras jamais à rien. Tu n'es rien comparé au grand Connor Williams. Il s'est fait tout seul. Tu croyais quand même pas à ça? Alors, papa t'a jamais dit comment il avait réussi à bâtir l'Empire Williams Construction? En fait, c'est grand-père qui lui a donné. T'entends? Il lui a offert une entreprise de plusieurs millions sur un plateau d'argent. C'était cadeau. Papa a jamais eu à bosser dur. Il a jamais pris de coups. Il a jamais vraiment rien construit. Écoute. Avant le début du match, ils te laisseront dans le tunnel pendant au moins 10 minutes pour faire monter le suspense, tu vois. Écoute bien, je rigole pas. Ne reste pas planté sur place. Va aux toilettes. Que j'aille aux toilettes? Ouais, c'est ça, exactement. Bon, d'accord. C'est tout? Tu t'en vas? J'ai super faim, faut que je mange un truc. Viens, Grenaz, on va manger quelque chose. Beaucoup de spectateurs de cette finale espèrent que ce soir, vous allez échouer. Ils espèrent voir ce grand club se faire humilier. Quand je vous regarde, je ne veux pas voir la moindre peur. De quoi est-ce qu'on devrait avoir peur? Nous sommes le Real Madrid. La réussite par excellence. Vous n'êtes pas arrivé là par le fruit du hasard. Vous êtes là parce que vous avez mérité votre place. Pour faire une grande équipe, il faut que de grands joueurs donnent tout pour le collectif. Il ne faut pas la jouer perso. Ouais ! On est qui ? On est United. Et on n'a peur de personne. Vous connaissez la compo. Vous savez ce que vous avez à faire. Allez, Madrid ! Aujourd'hui, vous avez rendez-vous
avec l'histoire. Allez les gars, on y va. On a tout. Bonjour à tous, salut Pierre. Salut Hervé. Bienvenue pour cette finale du UEFA Champions League, très attendue. Ouais, c'est aujourd'hui qu'on va connaître le nom du vainqueur et on attend ça avec impatience. Man United contre le Real Madrid, ça nous donne généralement des matchs intéressants. Hein. Et dans le passé, en Coupe d'Europe, ça a souvent été accroché. Hein. Bon, même si c'est toujours accroché, on remarque quand même que c'est souvent le Real qui se qualifie face au Red Devils. De cette finale de l'UEFA Champions League qui vient d'être donnée par l'arbitre. Ah super, on entre enfin dans le vif du sujet. Bon match à tous. Alex Center. On s'approche du but. Bale. Centre de Gareth Bale, bien joué. Oh oui, le but! Le Real Madrid qui ouvre le score dans cette finale de Ligue des Champions. Et ben voilà qui nous promet de l'animation. L'arbitre qui siffle la mi-temps à l'instant avec un Real Madrid solide qui a pris une légère option sur une nouvelle victoire dans cette Ligue des Champions. Ouais, Alex Hunter et ses coéquipiers ont abordé cette finale avec beaucoup de sérieux et ils savent que l'équipe adverse va les malmener au retour des vestiaires. C'est bien, ça nous promet du spectacle. Et on revient ici au Wanda Metropolitano pour la suite de cette rencontre. Matic, Juan Mata. Matic, ils ont décidé de poser le jeu, d'attendre le bon moment pour tenter une percée. Le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. Marcelo. Oh, y a du monde sur lui. Ils viennent presser haut et ils sont récompensés. Ils retrouvent le ballon. Matic. Williams. Le gardien qui ne peut que repousser. C'est pas terminé. Manchester United qui va pouvoir tirer le corner. Les supporters qui verraient bien une égalisation sur ce corner. Le corner de Mata, très bien tiré. Raphaël Varane s'est dégagé. Philippe Bernard, ouais, il repousse, ça joue. Manu qui va bénéficier de cette touche. Danny Williams, vous l'avez trouvé bon sur ces 45 premières minutes, Pierre? La défense sait que le danger peut venir de lui, mais sur cette première période, elle a fait ce qu'il... Ah, Mata, la bonne passe dans l'espace.
Danny Williams qui marque. Oh, Williams qui marque, incroyable. Oh, mais un moment, c'est fabuleux. C'est que du bonheur, le réalisateur qui nous montre la famille du buteur. Ah, le gardien qui doit s'incliner pour la première fois. Ah, il avait pourtant été irréprochable jusqu'à présent, mais à force d'avoir du boulot, il fallait bien que ça craque. Notre réalisateur qui nous montre le but avec notre caméra. Un but partout, les deux équipes dos à dos. Ah ben c'est un adversaire qui récupère cette passe. Alex Hunter. Toujours ce score de parité donc. Bien joué, il avait vu le coup, la Sergio Ramos. Oh, c'est bien donné en profondeur. Bonheur pour ce jeune joueur. Ah, il est fou de joie et il n'est pas le seul. Regardez, sa famille savoure avec lui. C'est clair que de cette distance, il n'y a pas grand chose à faire pour le gardien. Non, il est battu. La défense n'a pas bien fait son boulot, ça semble évident. Le Real Madrid qui écrit une nouvelle ligne dans sa déjà glorieuse histoire. Félicitations, Alex. C'est mérité. La prochaine fois, je suis dans son équipe. Imagine si t'avais perdu. Tous tes sponsors t'auraient laissé tomber du jour au lendemain. J'apprécie, mec. On va manger un morceau avant ton départ. Ouais, d'accord. Allez, le moment tant attendu dans quelques instants, celui au capitaine du Real va une fois de plus brandir le trophée. Il y en a eu d'autres dans l'histoire, des capitaines madrilènes qui ont brandi le trophée de champion d'Europe. Et on ne peut pas dire que les supporters madrilènes soient blasés, loin de là. Ce sont des millions de regards qui sont braqués sur cette image. La voici, le triomphe du Real Madrid. Qui creuse un peu plus encore
l'écart entre son palmarès et celui de ses principaux concurrents sur le plan européen. N'oublions pas que c'était le premier club à remporter cette compétition. Et donc du coup, nécessairement, c'est le dernier. Ah, magnifique ces images, cette communion entre les supporters du Real et les joueurs. Eh ouais, un trophée, ça se partage, mon petit Pierrot. Ouais, ça va être la fête un peu partout à Madrid, enfin sauf du côté de l'Atlético, bien sûr. Où là, ça va être la soupe à la grimace. Et dans le vestiaire madrilène également, c'est un long moment qui commence. Là, une longue série, la fête sur la pelouse, dans le vestiaire, dans l'avion, à Madrid, le retour. Alors les gens du Real qui se serrent, qui obéissent aux ordres des photographes. Ah bah oui, parce qu'il faut que tout le monde rentre dans le cadre. Hein. C'est des ordres agréables à suivre. Oui, bien. Oui, oui. Et voilà, la photo pour l'histoire. Allez, dale, dale, dale. T'es rentré dans l'histoire de ce grand club. Personne ne pourra t'enlever ça. Alex, tu viens de remporter la Champions League, c'est dingue. Hey, attends, comment t'es arrivé jusqu'ici? Tu me connais. Tout le monde t'attend dehors. Allez, viens. Alex, les sponsors voudraient t'entendre dire quelques mots. Viens, il faut pas les faire attendre. C'est que j'allais... Alex, le monde entier te regarde. J'apprécie tout ce que vous avez fait pour moi. Mais je peux pas. Pas cette fois. Désolé. On y va ? Alex, attends ! Alex ! Je n'imaginais pas. Sérieusement, je suis contente de voir. Un recruteur ne s'arrête jamais. Je peux pas imaginer à quel point je suis fier de toi, Alex. Tu fais honneur à ta famille. Tu fais honneur au football. Tu es le plus grand des Hunters. T'as vraiment la cote. Ah, c'est mon bon profil. Mais vous auriez pu enlever la bave. Super. Ah, je me sens toujours comme la petite nouvelle. Je trouve que tu t'en sors bien pour l'instant. Je vais adorer le wifi dans l'avion. Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, les études. J'ai dû passer la moitié de mes examens en avance et reporter les autres après la complète. Ah, c'est chaud. Le monde réel. T'as déjà choisi ta fac ? Dis-moi que oui. Bah, j'ai bien aimé les offres de Stanford et de UCLA. Mais mon père préférait vraiment que j'aille à Berkeley. Il pense que les études de cinéma, ça pourrait le faire pour moi. Il est malin. Ouais. Mais tu sais, les choses sont différentes maintenant. Il y a plein d'opportunités qui n'existaient même pas quand j'avais ton âge. Passer pro en sortant du lycée, c'est possible aujourd'hui. Ça fait réfléchir. C'est le tir décisif. Le dernier de la Coupe du Monde de Poubelle Ball. Le score est de 36 à 36. Hunter se prépare. Elle va tirer... La pression est à son comble.
Ouais. C'est pas vrai. Qui c'est? Salut. Son père? Oui, Harold. Il est là? Papa, on remet ça tout à l'heure? J'aimerais bien, mais je dois réviser. Sois pas en retard pour la réunion où De Silva te fera courir toute la chef, journée. Chef, oui, chef. Je vois que t'as une nouvelle amie. Ouais, Alex est génial. Oui, à propos, ton frère a appelé. Il vient pour la phase à élimination directe. Ah, si on arrive jusque-là. Arriver jusqu'ici, c'est déjà une victoire, ne l'oublie pas. Même si tu perds, Kim, tu as gagné. Christine Sinclair a marqué au début de son premier match de Coupe du Monde. Elle avait 19 ans. Je dois saisir ma chance quand elle se présentera. T'as toujours été intelligente, toi. Bah, j'ai eu un bon professeur. Madame Dean en seconde. C'était mon modèle. Bon, tu as pris ta décision? Pour l'université? Pourquoi? Tu dois décider d'autre chose? Ouais, je veux dire non. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps et... Berkeley a l'air parfaite. Je suis bien d'accord. Mais je pensais... ou plutôt je me demandais si... Et si je passais pro? J'en ai parlé avec Alex l'autre jour et elle dit qu'il y a plein d'opportunités. Où ça? Ne me dis pas que tu parles de Seattle. Je ne pense pas qu'ils étaient sérieux, Kim. Ils nous en auraient pas parlé, sinon. Ils t'ont raconté tout ça pour que tu reviennes les voir, mais seulement quand tu auras terminé tes études. Ils ne s'attendent pas à ce que tu leur donnes suite. Ils n'en ont peut-être même pas envie. Tu dois comprendre que cette compétition, c'est pas le seul grand moment de ta carrière. Je dois aller à ma réunion. Tu viens ? On est l'équipe de football féminine des États-Unis. Les championnes du monde en titre. Et ça veut dire que toutes les équipes adverses dans cette compétition vont essayer de nous détrôner. Mais on se laissera pas faire. On sera toujours plus concentrés et plus engagés que chaque équipe qu'on affrontera. On a un effectif expérimenté. On pourra pas se permettre de bévues, de perte de concentration ou d'approximation. Aujourd'hui, il va falloir défendre notre titre. Hunter, la sélectionneuse veut que tu restes sur le banc pour commencer. Tu donneras un coup de jus quand l'équipe se fatiguera. À vous de jouer, les filles. Allez, un remplacement, on va assister à la rentrée de Kim Hunter dans cette rencontre, Pierre. Et c'est bien sûr son premier match en phase finale de Coupe du Monde. Oui, les conditions sont idéales pour la jeune joueuse américaine. Elle a fait 17 ans seulement, les États-Unis mènent 2-0, elle n'a pas vraiment de pression. Allez, à elle de marquer les esprits pour ses débuts en Coupe du Monde. À elle de marquer des buts aussi, peut-être. La voie est libre. Interception. Les Américaines qui réussissent pour le moment très bien leur entame dans cette Coupe du Monde. Elles mènent au score et elles ont même décidé de faire rentrer dans ce match l'une de leurs plus jeunes espoirs. La jeune Kim Hunter, 17 ans. Elle dispute évidemment son premier match de phase finale de Coupe du Monde. Frappe et le but pour les USA, et c'est la jeune remplaçante Kim Hunter qui, du haut de ses 17 ans,
est venu marquer. Oh, quel talent, malgré son jeune âge. Il est en train de vivre une belle aventure avec l'équipe américaine. Retenez bien ce nom, Tim Hunter, parce que l'on risque d'en entendre parler dans cette Coupe du Monde. Et sur ce ralenti, c'est un autre angle qui nous est proposé, ça va être intéressant. Kim, vous avez 17 ans et vous venez de débuter en Coupe du Monde. C'est incroyable. Qu'est-ce que vous ressentez ? J'étais toute retournée au début, honnêtement, entre le stade, la foule. Je suis dans la même équipe que Megan Rapinoe. J'ai chanté Born in the USA pendant des semaines après son but contre la Colombie. Mon père en devenait fou. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué ? C'est quand on marque des buts et que l'équipe gagne. En fait, c'était un conte de fées, ce premier match. J'aurais pas pu rêver mieux. Alors, comme c'est un moment important et très spécial pour vous, est-ce qu'il y a une personne en particulier que vous souhaiteriez saluer ? Non. Pardon, mais quel est le rapport ? Malheureusement, nous allons devoir en rester là. Kim Hunter, félicitations pour vos débuts et bonne chance pour le prochain match. Merci. Mademoiselle. Merci. Et monsieur. Merci, je vous en prie. Cet endroit est ridicule. Tu pourras toujours remercier ton frère. C'est lui qui a réservé cette table. Cette pièce. Peut-être ses agents. C'est une sacrée vie qu'il a maintenant. Ouais, tu m'étonnes. Bien, alors, les félicitations s'imposent. Ma fille au deuxième tour de la Coupe du Monde. C'est une autre épargne-moi compétition ton discours, qui commence. Papa. Les conseils de De Silva me suffisent. Je ne voulais pas te mettre mal à l'aise, excuse-moi. Je me suis laissé un peu aller, c'est tout. Reconnais-le, c'est quand même un sacré changement, ne pas aller à l'université. Ça pourrait ne pas marcher à Seattle. Et s'il t'arrivait quoi que ce soit... Je voulais juste qu'on en discute tous les deux pour voir. Et toi, tu me fais la morale. Je comprends mieux ce qu'Alex a vécu. Non, Kim, s'il te plaît. Je suis désolée. C'est ta vie, Kim. Ta carrière, ton choix. On peut en parler si tu en as toujours envie. Mais ne te laisse pas trop griser. Je sais que tu dis ça pour mon bien, papa. Mais je suis pas toi. J'ai une opportunité de vivre quelque chose de spécial, de devenir quelqu'un. Tu dois me laisser partir. Si vous donnez pas tout ce que vous avez dans le ventre à chaque sprint, vous me faites perdre mon temps et vous perdez le vôtre. Allez, encore. Hunter. Switch. La sélectionneuse a été impressionnée par ton premier match. Mais elle a demandé à ce que tu restes encore sur le banc la prochaine fois, ok? Elle ne veut pas te mettre trop de pression tant que tu n'es pas prête. Mais n'oublie pas. Observe et apprends. Même si tu ne joues pas, tâche d'emmagasiner tout ce que tu peux. Bien sûr. Mais je pensais vraiment pouvoir jouer, histoire de montrer ce que je sais faire. La décision de la sélectionneuse est irrévocable. Elle a tout faux. Quoi ? J'espère que j'ai mal compris, Hunter. Tu remets en cause la décision de la sélectionneuse. Non, je pense seulement que je peux apporter plus à l'équipe. Tu sais quoi ? Tu as du talent, Hunter, c'est certain. Mais ton attitude... On va en reparler. Coach, j'ai pas voulu retourne dire à ta place. Vous pouvez remercier Hunter pour les 5 prochaines minutes. Thank you.
Coach, la réunion, c'est pas dans une heure? Si. Ah. Je vois qu'on fait ses devoirs. Oui, c'est... Ça doit pas être facile. C'est assez intense. Écoutez, coach, je suis désolée. À propos d'hier. Dis-moi, Hunter. Le nom Denise Daniels te dit quelque chose? Elle était dans l'équipe de Coupe du Monde en 2011. 18 ans, originaire de Détroit, impossible à arrêter dans le jeu aérien. On l'appelait la muraille. Elle avait tout pour rester notre défenseur pendant au moins 10 ans. On l'a virée avant le début de la compétition pour avoir dépassé le couvre-feu. J'ai jamais entendu ce nom. Normal, parce que maintenant, elle sert des jus de fruits à San Francisco. On envisage de te retirer de l'équipe après ton comportement avec la sélectionneuse. Tu penses peut-être que je suis... dur avec toi. Mais c'est parce que je sais à quel point tu es doué. Tu as tout le talent nécessaire. C'est pour ça que tu es encore là. Merci, coach. Je ne vous décevrai pas. Oh, et une dernière chose. La sélectionneuse veut que tu débutes dans le 11 de départ pour notre dernier match de coupe. Tu l'as, ta chance. Ne la laisse pas passer. Merci, coach. J'ai failli oublier. Réunion. Dans une heure. Ouais. Continue. Hunter, Morgan. On a break too. La sélectionneuse a aimé ce que vous lui avez montré. Vous avez donné une autre dimension à l'équipe. Mais là, on entre dans la phase à élimination directe, alors il va vous falloir faire preuve de beaucoup de maturité. Oui, coach. Je me tiendrai prête si on a besoin de moi pendant le match. C'est exactement le genre d'attitude qu'il faut que vous adoptiez pendant cette phase. Vous serez toutes les deux en attaque pour les huitièmes de finale. Merci, coach. Oui, coach, compris. Bien. On va les écraser. Ouais, carrément. Continuez comme ça, les filles. Alors qu'Harold était au milieu de sa forme et aux portes de la sélection anglaise, sa carrière connut une fin brutale au cinquième tour de la FA Cup après un vilain tacle. Ce fut son dernier match en tant que joueur professionnel. Oui ? T'es venue ? Ma petite sœur qui joue en Coupe du Monde, j'allais pas manquer ça. L'élimination directe. Ouais. Tu vas avoir besoin de beaucoup de soutien. Merci. Bonjour, Kim. Salut. Béa est là aussi. C'est ton documentaire ? Ouais, j'ai eu un A. Regarde si tu veux. Je suis dedans. Tu t'appelles Hunter, non ? Tu n'as pas à te méfier de moi, Kim. Je pense rien de vous. Enfin, je veux dire, rien de négatif. Je voulais pas... Tu sais, je suis avant toute chose une fan de football. Mais une fan qui a des moyens et des ressources que peu de gens possèdent. Je vois. Oui, oui. C'est chouette. Tu as fait une très belle impression, jeune fille. Selon les journalistes, tu pourrais être la révélation de la Coupe du Monde. J'essaie de garder les pieds sur terre. Je connais la chanson. Un footballeur gagne un match, les médias en font toute une montagne. Et dès que le joueur perd le ballon, du jour au lendemain, on l'a oublié. Parfois, j'oublie que tu n'as que 17 ans. Kim,
Avec tes capacités et ta lucidité, tu pourrais devenir un exemple à suivre dans le football féminin. Changer complètement l'image de ce sport aux yeux du public. C'est ce qu'on me dit tout le temps, mais je sais pas comment réagir. Ne change rien. Contente-toi d'être toi-même. Kim, en faisant confiance, je pourrais t'aider à atteindre les sommets. Crois-moi, si tu aides ton équipe à gagner la finale de la Coupe du Monde, un jour, on fera des films sur toi. Elle pense que je devrais passer pro. Et un agent comme elle, je devrais peut-être écouter ses conseils, non? Et oublier l'université? Je suis pas sûre. Mais t'as dit que le sport était en expansion, qu'il y a des opportunités, que passer pro, c'était possible. J'ai dit que ça fait réfléchir. Pas que tu devrais le faire. Elle dit que je sais faire basculer les matchs. Elle a dit ça? Ouais, mais bon, tu connais les agents. T'es la meilleure, la plus forte, tous sont mes 20%, enfin bref. Hunter? Dis-moi que j'ai mal entendu ce que tu viens de dire. Tu es allé parler à un agent? Il y a des règles à propos des discussions contractuelles quand on est en stage avec la sélection. Oui, mais on a juste parlé de... Dehors, tout de suite! C'est quoi ton problème? Tu crois que les règles te concernent pas? Donne-moi une bonne raison de ne pas te renvoyer chez toi sur le champ. Je suis désolée. Mon frère est venu me voir et il est avec son agent. Elle a commencé à me parler. C'était pas prévu. Je croyais qu'elle voulait juste discuter. Mais je recommencerai pas, je vous le promets. Être ici, faire partie de cette équipe, ça représente tout pour moi. Ok. C'est ton dernier avertissement, Hunter. C'est possible de passer pro en sortant du lycée. Que cette compétition n'est pas ce qu'il y a de plus important. Tu sais, à une époque, le football féminin attirait autant de spectateurs que le football masculin. La plus jeune joueuse en éliminatoire féminine de Coupe du Monde. Parfois, j'oublie que tu n'as que 17, tu pourrais changer la perception. Hunter! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ici au Stade Vélodrome de Marseille pour cette demi-finale de Coupe du Monde féminine. Il reste donc 4 équipes en lice, dont les États-Unis qui faisaient figure de favoris avant le début de la compétition. C'est toujours comme ça quand on est tenant du titre, on sait que les Américaines ont l'expérience de ces grands matchs et on sait que c'est ça qui peut faire la différence. Attention tout de même, parce qu'en face c'est l'Allemagne. C'est parti à l'instant donc. Allez, bon match mon petit Hervé. Alex Morgan. Idéalement placé là pour le centre. Allez, corner, belle occasion pour ces joueuses de passer devant. Hunter. Et voilà, il y est. L'ouverture du score dans cette rencontre. Hunter, tu as fait du bon travail, tu sais. Vas-y, profites-en, tu l'as bien mérité. Merci, coach. Kim Hunter, vous avez 17 ans et vous allez disputer une finale de Coupe du Monde. Dites-nous ce que vous ressentez en ce moment. C'est assez difficile à exprimer. J'ai été envahie par beaucoup d'émotions différentes en même temps. Je me sens à la fois fière et nerveuse, soulagée aussi, et ravie. Triste. Triste? Eh bien,
J'en sais rien, c'est bizarre, non? Je pense que c'est parce que la compétition se termine bientôt et j'ai pas envie qu'elle s'arrête. C'est ma première Coupe du Monde et c'est vraiment très spécial pour moi. De me dire que c'est bientôt fini, ça me rend... Quoi qu'il arrive en finale, c'est... C'est triste. Je sais, ça paraît ridicule, hein? Oh non. Non, pas du tout. Dit comme ça, c'est même assez juste. Merci pour votre honnêteté, Kim. De rien. Plus tard, ma chérie. Tremblay. C'est quoi ton problème, juste? Je fais que jouer le jeu, Hunter. C'est comme ça que ça marche ici. C'est comme ça qu'on gagne. Et c'est la seule raison? Tu me connais même pas. Je veux gagner, Hunter. Comme tout le monde dans cette compétition. Et comme tout le monde, je repousse mes limites. Et mes limites, elles sont là. Si t'as pas de talent, tu gagneras jamais. Je peux gagner. Tu le sais. Et c'est pour ça que t'as peur de moi. À plus tard, ma chérie. Écoutez, les filles. Aujourd'hui, c'est un jour historique. On a l'opportunité de devenir la première équipe féminine à remporter 4 Coupes du Monde. That's right. Yeah. Et on peut réaliser cet exploit au détriment de nos plus grandes rivales. Mais ne vous y trompez pas. Ça va être le match de nos vies face à un adversaire doué et hyper motivé qui fera tout pour nous voler cette victoire. La moindre erreur, la moindre faute d'inattention peut réduire tous vos efforts à néant. Comme ça. Allez les filles, on reste concentrés et on n'a peur de personne. Je te souhaite bonne chance, Hunter. Je le pense vraiment. Ouais, dans tes rêves. Je suis morte de rire. Allez Pierre, on y est. Cette grande finale de cette Coupe du Monde de la FIFA, la 8e finale de l'histoire, organisée chez nous ici en France. Oui, c'est l'occasion de retrouver deux équipes rivales du football féminin, à savoir les États-Unis et le Canada, dans un Parc des Princes qui affiche complet. Et les États-Unis qui pourraient réaliser un exploit en s'imposant aujourd'hui. Oui, les Américaines deviendraient les premières à remporter 4 Coupes du Monde. Ça ne s'est encore jamais vu dans l'histoire du foot féminin. Le décor est planté. Allez, c'est parti, ici avec le coup d'envoi de ce match donné à l'instant. Sophie Schmidt. Hunter. Interception. Il s'est construit devant le but, sans se précipiter. Mitchell Prince. Et le but pour les Canadiennes. Ouais, ils prennent l'avantage dans cette finale. Quelle puissance dans ce tir à bout portant sur la gauche du but. Je vous laisse apprécier le ralenti sur ce but. Sophie Schmidt, Mitchell Prince,
On est dans une phase de conservation de balles en attendant l'ouverture. Et on va jouer 2 minutes de plus. Un intercept. Voilà, c'est la mi-temps, sifflé à l'instant ici au Parc des Princes et on assiste à une petite surprise puisque les Américaines sont menées par les Canadiennes dans cette finale. Et les championnes du monde en titre sont à la peine alors que certains les donnaient archi favorites dans ce match. Maintenant, il reste 45 minutes pour revenir et relancer cette finale. On va voir s'il y a quelques changements en seconde période, mais pour l'instant, elles ne sont pas à la hauteur du rendez-vous. Pour la seconde période de cette finale de Coupe du Monde féminine ici au Parc des Princes. Ah, facile la récupération. Ah non, le ballon est perdu, mauvais contrôle. Ah oui, la bonne passe. Et la passe. De la part de cette joueuse. Ah, c'est un superbe but de la tête qu'on revoit sur ce ralenti. On vous laisse admirer le timing, la finition. Eh bien oui, c'est son deuxième but personnel aujourd'hui. Attendez qu'on revoie ce but d'un autre point de vue. C'est terminé, c'est terminé. Dans tes rêves, c'est ça? Ah, c'est terminé, elle s'impose dans cette finale. Ah, ça va nous faire des belles images, Pierre. Oui, Hervé, les joueuses qui se tombent dans les bras, elles ont été solides jusqu'au bout, on ne peut que les féliciter. Il fallait aller le chercher, ce trophée, c'est chose faite, bravo.
Tu es prête? J'arrive pas à croire que je déménage. Toi, t'arrives pas à y croire? Ça fait bizarre de quitter Los Angeles. J'ai toujours vécu ici. Tu sais, Kim, je voulais te dire que j'aurais dû faire confiance à ton instinct. Et c'est un sacré deal que Béa a réussi à négocier pour toi. Mais tu vas révolutionner ce sport, j'en suis sûr. Et ça me rend immensément fier de toi. Eh ben, j'ai de qui tenir à mon avis. Madame Dean, en classe de seconde. Bon. Je vais aller mettre ça dans la voiture.